salut à tous. Bonjour. On sait pas où il est. On sait pas où est Max. Mais legit. Max genre, absent. Genre c'est vraiment le meilleur de tous les débuts de récap qu'on mais a non, eu. Non mais là vraiment parce que si on m'avait dit il est pas là, tu vois, on serait assis là, mais là on pensait vraiment qu'il allait arriver. Juste on ne sait pas où il est. Max Hildan, absent. Ah ouais, mais c'est bizarre quand même. Parce que... Alors qu'est-ce qu'il a fait ce week-end, Max? Bah alors le bouffon. J'ai dépensé encore 1500 balles dans un petit truc. Tu connais alors... le moral. Moi j'avais eu un carrelage qui coûtait 50 balles. J'ai dit comment on peut faire pour qu'il coûte 100 balles le mètre carré. Et là on m'a dit bah on va mettre un peu de diams. Et voilà, donc non, je sais pas ce qui branle. Bah on va juste. On va essayer de tenir en one man. Hein, mais... Bah non, mais Jiraya il va nous raconter son week-end. De toute façon, on allait en venir là donc c'est vrai qu'on a regarde venir le bouffon, là, regarde, on fait en courant là, je vois, il arrive à une vitesse grand V. Non, raconte ton week-end, on s'en bat les couilles de lui. Bah hein. Ce week-end qu'est-ce que attends, j'ai fait mais non mais laisse-le revenir comme mais ça non, il repose. Jingle du week-end, jingle du week-end, jingle du week-end, jingle. Oh mais alors qu'est-ce que t'as fait mec? Ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait bah, pas grand-chose, hein, figurez-vous, mesdames et messieurs. En tout cas, j'ai regardé une partie de Speedon, qui était à l'honneur, évidemment, le vieux monsieur qui a organisé ça, des runners de folie. Hugo, tu étais d'ailleurs présent, je pense que tu y reviendras après ouais. Sur ton week-end. Mais pour le coup, je n'ai pas vraiment fait grand-chose. Je suis resté à la maison, en famille, profiter de, bah, de ma famille, de la petite, tout simplement, parce qu'elle a repris l'école hier. Et c'était notre dernier week-end de vacances. Comment ? Seconde ? Non, première ES. Voilà, économie sociale. Bah, je trouve qu'elle est un peu en avance pour 3 ans et demi, mais voilà, on essaye de. Par contre, ES, c'est pas la meilleure file. C'est pas meilleur, ouf, ouais. Mais c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout de son avenir. Pourquoi ES et tout, ils font pas maintenant des bacs un peu à la carte ? J'ai aucune idée. Si, si, t'as raison. Maintenant, tu peux choisir. Tiens, bah, t'es là, toi. Oh, dis donc. C'est cool d'être passé. Salut tout le monde. Qu'est-ce qui branle ici ? Bon bah écoutez, j'étais en réunion. Oh, ça a l'air. Alors combien le stream dure encore combien de temps? C'est bon, c'est... Bon, ça va, ça au va, niveau va, de la hiérarchie tout, tout au niveau de la hiérarchie de l'importance sur une chaîne télé, on met les réunions tout en haut avant les émissions, c'est je ah c'est je comprends et c'est pas. Que je te dise, on était dans des discussions passionnantes et moi j'étais là en mode et à un moment je fais ça a l'air passionnant du coup. Et je fais putain mais merde, c'est 18h30 et je me suis cassé, ils m'ont tous regardé en mode non, t'as loupé le début de l'émission, je fais bah attends, oui, regarde-moi dans les yeux. Fucking new glasses, man! Like that! Bref, oui, non, effectivement, ça n'a aucun sens, mais bon, ouais, hein, c'est le stream, les gars. Non, mais ça, c'est pas bien de dire ça. Ça, moi, je ne peux pas. On connaît ta morale, Max. Je ne peux pas me contenter de c'est le stream. C'est le stream, ça veut dire quoi? On peut pas, prétendre tous les jours dire on veut baiser la télé et dire non, on est sur le stream. Attends, les gars, c'est Clément ou quoi là? Non, que discipline, bordel de merde! Je suis pas là pendant 2 semaines et on arrive en retard! Vous avez une rage. Vous avez une rage. Non, c'est pas le propos, c'est de dire ça va les gars, il y a pas mort d'homme. La discipline mon gars. Vous vous en battez tous les couilles, eux aussi, tout va bien, c'est on y va vrai. Les gars. Allez. Le chat est en larmes. C'est pas vrai. Mec. Moi, non, ils en ont rien à faire. Moi j'étais inquiet, j'étais très inquiet. C'est juste tu n'es jamais en retard. Mais tu es bah, très bah, inquiet. Des fois, je fais des conneries comme tout le monde. Qu'est-ce que... Et c'est justement parce qu'on n'est pas à la télé que il y a. Non, non, ça c'est quand ça t'arrange. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on n'est pas à la télé qu'on ne doit pas respecter les viewers. Et je pense que les viewers se sentent il insultés. Il va nous emmerder pendant 30 minutes. Mais... Dis-toi dans le chat. Je pense que les viewers se sentent insultés par ton retard. Voilà. Mais regarde, le chat pleure. Le chat pleure. Voilà. Le chat, qu'est-ce qu'ils disent? Va niquer. Bah, voilà. Le chat est en train de hurler. Eh bien, je m'excuse sincèrement. On dit pas je m'excuse. C'est pas syntaxe. Je vous présente. On y va, le week-end? Yes, on l'a eu. Non mais voilà, fin de mon week-end, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Comment? Bah, t'as pas fait que ça ton week-end. Non mais vraiment, j'ai pas fait grand-chose. J'ai joué avec ma fille non, tout non, le week-end. Non mais d'habitude, tu tiens 25 minutes. Tu ok, bah excusez-moi, minutes. Je peux vous dire ce que j'ai mangé un petit peu. Oh, oui. Non mais t'as joué à quoi avec ta fille? On a joué à quoi? On a joué... On a joué un 2-3 soleil, elle vient de découvrir le jeu. C'est assez ouf, elle bouge tout le temps, elle rigole. Donc, je suis obligé de la balayer. Je lui dis, mais alors merde, je suis en train de lui apprendre un peu comment ça fonctionne. Non, on n'a rien fait. C'est le week-end le plus nul à raconter de toute ma vie. Rien branlé. Ah, si, chiant. On a continué la tapisserie dans le salon. Et puis, on a démonté un gros meuble qui nous servait à rien puisqu'on a tout changé. Ouais, tapisserie. Tu fais une tapisserie. Moi, je tapisse. Moi, voilà. Je galère à tapisser. Bah ça va, c'est de la colle et du papier, mais... Oui, d'accord. Là, tu parles d'un exercice de collage, on sait eux. Hein. Remarque, parce qu'une tapisserie sur un mur, après, c'est un autre level. Hein. Après, je dis ça, c'est pas moi qui le fais. Ouais, voilà. C'est ma femme qui a bossé la télé. Là, tu l'écoutes, c'est lui qui maroufle, c'est lui qui est là. Le maroufleur fou. Non, non, vraiment, après, je te dis, rien d'extraordinaire. Bien entendu, si on compte le lundi dans le week-end, la terrasse avance à grands pas, ça fait plaisir. Je suis très,
très très heureux de j'espère pouvoir profiter d'une belle terrasse. Et sinon, FC Silmi hier, mais on en reparlera dans les tweets, je pense, avec un Xari impérial. T'as mis des dingueries ? T'as été bon. J'en dis pas plus. En tout cas, les tribunes sont reparties à quelques souvenirs. En tout cas, le gosse au premier rang, il est parti sur civière, donc. Peut te le dire. Mais sinon, bah, c'est tout. On voilà. Continue avec le week-end d'Arwan, du coup. Ah, écoute-moi, ce week-end, j'ai joué plutôt cool aussi. J'ai pas fait grand-chose, je me suis reposé. Est-ce que t'as fini GTA, toi, depuis le temps ou... Même pas, tu vois, j'ai mis ça de côté. J'ai surprenant. T'as cancel, ouais. C'est lequel, non, déjà. En fait, tu sais, je suis passé un peu à autre chose. Faudrait que je le finisse, je me suis fait la réflexion, toujours pas. C'est lequel que tu fais déjà? C'est le San Andreas. Ah oui, San Andreas. Donc, mais faudrait que je le finisse parce que je me souviens que la fin est plutôt cool. Donc, il faudrait que je m'y colle. Mais non, j'ai plutôt regardé des films. Je cherchais une nouvelle série en ce moment. D'ailleurs, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Je regarde Snowpiercer en ce moment. Je me suis lancé dans Paris 1900 parce que je trouvais l'intrigue plutôt cool. L'époque me plaisait aussi. Et on en revient souvent aux séries françaises où le jeu d'acteur m'a rattrapé un petit c'est peu. C'est le truc de Canal+. Ah, ouais. Ouais. Plutôt bien, un peu sombre et tout, j'aime bien, mais encore une fois, le jeu d'acteur, au bout de 4-5 épisodes, ça m'a pire que Hassan Diop ou pas? Non, évidemment, Hassan Diop est un jeu d'acteur exceptionnel. non, ça m'a un petit peu rattrapé, du coup, voilà, je cherche une nouvelle série, plutôt américaine, hein, du coup, de préférence. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pas mal bossé, j'ai regardé l'All-Star Game dimanche soir. Et juste avant ça, pour mettre en appétit, j'ai regardé le magnifique match de l'OM. Et je n'en dirai évidemment pas plus. Quel match! Sur cette bande de bâtards. Une minute de silence. Voilà. Quel bouffrant! Voilà, vous m'avez manqué là depuis deux semaines, il s'est passé plein de choses. J'étais en week-end à Marseille, donc j'ai un peu prolongé pour faire une surprise pour l'anniversaire de mon papa et mon frère, voir ma famille. Et puis il y a eu un nouveau. Mon cousin, il y avait un nouveau-né dans la famille, donc pareil, je suis resté un petit peu. Et puis la semaine dernière, j'étais pas là, puisqu'on a passé un deal avec la FIBA, qui est la Fédération Internationale de Basketball. Et donc maintenant, le mardi ou le mercredi, donc ça dépend, on hoste des matchs de la SIG Strasbourg, qui est en Basket Champions League. Et donc c'est plutôt très cool à faire. Donc quand ça tombe le mardi, malheureusement, ben, je peux pas être là. Quand ça tombe le mercredi comme demain, ben, je peux être là avec plaisir. Donc voilà pourquoi je n'étais pas là la semaine dernière. Vous avez les images? On a les images, on commente un match avec les images. C'est cool. La première fois qu'on a le droit à l'image. Tiens, honnêtement, c'est vraiment très cool. Il y a Broken qui l'a fait avec nous la semaine dernière, qui sera avec nous encore demain. Et c'est cool puisqu'on a les coachs au téléphone, on a les images en live. Donc c'est franchement un nouvel exercice qui. Ils sont pas foutus de votre gueule, quoi. C'est un deal avec la feedback, donc qui est détenteur de droits. Donc pour le coup, c'est très très cool. Et c'est une nouvelle expérience. Et j'espère que. Et vous faites ça en live sur Twitch? Ouais, encore une fois sur Twitch. Et ça montre encore une fois, et vous êtes très bien placé pour le savoir, comment Twitch est en train de s'ouvrir sur plein de choses. Et là, commencer à retransmettre des matchs avec les images. Ah ouais. C'est peut-être l'ouverture de quelque chose. Mais attends, mais c'est quoi que tu as comme image? C'est la totalité. Ah, c'est le match. C'est le match filmé tel qu'il est diffusé à la télé. Voilà, vous voyez, avec Thomas, donc évidemment. Et donc c'est un petit studio qu'on a dans Paris, et donc c'est franchement très très cool. On est content. Et voilà, ça va faire qu'évoluer. Mine de rien, moi, commenter, je l'avais quasiment pas fait depuis Beansport. Avec Thomas, on l'avait fait une fois aussi, mais donc voilà, on retrouve certains repères. C'est comme le vélo. Cool. Ça revient pas. Ouais. Mais après, on est à deux sur le vélo. T'es tout seul, on est à deux. Il y a quand même un rythme à avoir. Il y a trois avec Brocky aussi. Très cool, attention, ça s'est très bien passé, mais mon côté perfectionniste me dit qu'on peut mieux faire et on fera mieux forcément demain. Donc voilà, mais on a tout ce que la FIBA nous met à disposition. Donc c'est quoi le match de demain? Le match de demain, c'est la SIG Strasbourg qui reçoit Novgorod, une équipe russe qui a plutôt des moyens, qui vient de signer Andrei Vorontsevich, un ancien du CSKA, un international russe, qui est quand même un joueur européen très solide. Donc un gros match demain pour la SIG Strasbourg, à 20h30, juste avant le match du PSG. Et il faut gagner, puisqu'ils ont perdu à Turkish Telecom, donc à Ankara la semaine dernière. Et là, deuxième match de ces playoffs, faut prendre. Voilà, bon, c'est tous les mercredis à chaque fois? Mardi ou mercredi, ça dépend. Donc quand c'est le mardi, malheureusement, les amis, je ne pourrai pas être là. Et c'est sur la chaîne C'est sur la chaîne de la FIBA. Nous, on hoste le début du match, la première demi-heure, sur la chaîne First Team. Ensuite, c'est sur la chaîne FIBA. On a fait 7 500 de moyenne. On est monté à 12 500 en pic. Et le lendemain, c'est propre, ces gens-là de la FIBA, donc qui ne connaissaient rien il y a 10 jours sur Twitch, qui nous disaient justement, on vient vers vous parce que vous connaissez un peu plus l'outil. Ils ont fait ça, ils étaient ravis. Ils ont dit, bon, maintenant, on va faire 25 000 de moyenne. Donc. C'est quoi, c'est Thierry qui gère le... Ça me rappelle quelques discussions. Non mais tu vois, moi honnêtement, c'est des gens que j'adore bosser avec eux, mais ça serait bien justement avec des experts de digital comme vous de dire que 25 000, c'est huge. Hein, c'est sur une compétition de basketball qui est cool, mais qui n'est pas non plus de la NBA, c'est quasiment impossible. Alors que c'est quoi le niveau là, de ce que vous commentez? C'est le plus haut niveau européen? Non. Le plus haut niveau, c'est l'Euroleague en Europe. Donc là, c'est vraiment le must du must, et c'est commenté chez RMC. Nous, c'est une compétition qui est correcte, mais c'est en fait la FIBA et l'Euroleague sont scindées depuis plusieurs années, et c'est la compétition numéro 1 de la FIBA. C'est pas la meilleure en Europe, mais c'est pas mal.
c'est pas mal, tu vois, c'est pas mal du tout. Et puis t'as du basket sur Twitch, gratos, avec les images, ouais, tu vois. Et ouais, c'est plutôt bien produit. Donc non, c'est très intéressant. Mais moi, j'ai 12 500, on était en homepage de la de Twitch. Donc c'est cool. Mais quand les mecs le lendemain, qui il y a 10 jours connaissaient pas Twitch, qu'après ils font qu'on fasse 25 000 de moyenne, je fais oula. Mais déjà, moi, je suis très étonné positivement que c'est fait 12 500, ouais, tu vois, pour une compétition. Comme tu dis, c'est peut-être pas la meilleure, etc. Mais après, tu peux leur jouer les spectateurs uniques. Quoi. Tu vas dans les stades, tu prends les spectateurs uniques, tu dis, ouais, il y a 12 500, mais au total, et 12 500, on était 45 000. Et 12 500 avec qu'en France, hein, c'est-à-dire France et Suisse. Ouais. Tu n'avais pas la Belgique, tu ne pouvais pas le regarder dans d'autres pays d'Europe. Ah, ils étaient bloqués sur Twitch. Ouais, ouais. Et en plus de ça, est-ce que c'est une nouvelle chaîne Twitch, la FIBA, ou ça existe depuis longtemps? Bonne question. Tu me mets dans la merde et tu me mets en porte-à-faux vis-à-vis de mon employeur. Parce que si c'est une nouvelle chaîne et fait des stats comme ça, bon. Non, mais alors c'est un homepage de Twitch. Après, c'est une nouvelle chaîne, il y a 600 followers. C'est plutôt cool, mais je te dis, c'est une nouvelle aventure. C'est vraiment très cool de pouvoir voir du basket et du sport en général comme ça avec des images sur Twitch. Moi, je reste persuadé, et vous le savez, que c'est l'avenir Twitch pour commencer à proposer ce genre de programme. C'est vraiment très, très cool. Voilà. Donc, on est ravis. Et demain, rendez-vous 20h30 sur la chaîne Twitch de First Team, First Team 101, et en parallèle sur la chaîne de la FIBA pour un nouveau match qui sera plutôt cool avec Brocky et Tom. Et on est très content pour vous. J'ai une dernière chose à rajouter. Oui. Oh non. Vous avez vu ce beau hoodie là, comme je suis beau gosse aujourd'hui. Alors ce hoodie, c'est une collab qu'on a fait avec la marque Daomé, First Team et Daomé. Tiens, je t'ai mis un lien dans le runner, Marie, voilà, je te le mets. C'est dans mes tweets tout à droite. I want to be like Dennis in Vegas. Vous vous souvenez un petit peu de The Last Dance, la série sur Michael Jordan. Vous vous souvenez que Dennis Rodman, le joueur un petit peu fantasque des Bulls, à un moment donné avait eu l'autorisation d'aller à Las Vegas pour tout arracher. Et donc c'est pour ça qu'on s'inspire de ça. I want to be like Dennis in Vegas, ça veut dire qu'on a envie d'être un petit peu fou dans la night, pour pas dire autre chose. Donc voilà, si vous voulez le t-shirt ou le hoodie, vous pouvez aller sur le site de Daomé, où il y a la collab First Team Daomé, et vous pourrez trouver ces magnifiques hoodies. Et pour la famille, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, allez vous abonner à notre chaîne YouTube First Team. Ça, c'est en train d'exploser. Combien, on n'oublie jamais, on n'oubliera jamais que quand on a passé les 100 000, c'était ici grâce à vous. Donc, je remets une petite grâce à votre travail. Je remets une petite couche. N'hésitez pas à aller sur la page YouTube First Team pour nous donner de la force, parce qu'on a plein de projets. Et celui de la FIBA, on est l'exemple, mais c'est que le début. 126 000 abonnés et, ouais, et 666 vidéos. Et si on finissait à 150 000 à la fin de l'émission. Je travaille à la FIBA. On va aller chercher un 200 000 peut-être. On va chercher le million carrément. Non, mais voilà, mais souvent on dit que quand on a passé les 100 000, et c'est quelque part un petit peu symbolique, passer 100 000 sur YouTube pour nous. Mais c'était, je me souviens, on avait fait un compte à rebours pendant 2 semaines grâce à vous et tout, et aux viewers, et c'était très cool. Et on aime à le rappeler. Eh bien, on est très content, en tout cas, que vous continuiez votre petit bonhomme de chemin. Bon, plus que jamais, tu le sais bien, t'es bien placé pour savoir. Et tout de suite, le quiz. Mais je suis très content de vous retrouver, vous m'avez quand même manqué pendant 2 semaines, surtout le petit bonhomme là-bas. Allez, bon, mec. On se sucera la bite, mais bon, après l'émission. Okay. Le gland brille ici. Hein. Oh non. Après ce qu'il vient de faire. Le petit le gland limpio. C'est une boule de billard. C'est pas exactement le bruit, mais c'est vrai. Hugo, on va attendre la fin de l'émission. Vraiment, pour le moment, on va parler de Spidon. Par rapport à quoi? Ton week-end. Ton week-end. Je sais pas, on va attendre la fin de l'émission, qu'est-ce qui se passe? Mais pour se sucer. Pour se sucer. Ah, allez, bah avec plaisir. Oui, d'accord, ok, j'avais pas compris. Voilà. Le week-end, totalement speedon. J'ai fait quasiment que ça de mon week-end. Très très content d'avoir participé à l'événement. Je t'ai mis, si tu veux, Marie, un petit extrait d'un moment où. Un extrait d'un moment où tu fais une run de fou. J'aurais bien voulu, mais il y avait déjà pas mal de gens. Donc pour répéter un petit peu ce qui s'est passé. Les Jésus, c'est pas mal. Je sais pas si vous en avez parlé hier de speedon, je suppose que oui. C'est quoi? On a évoqué vite fait, mais on n'est pas rentré dans le détail. Bon, merci MV. Bah, 55 heures de marathon avec plein de speedrunners qui se relayaient pendant 3 jours pour Médecins du Monde. C'était vachement sympa. En vrai, on avait une petite salle du coup qui était du côté de directement dans l'Accor Hotel Arena. C'est vraiment le petit salon d'hôtel très stylé, très propre. On a été bien nourris par un certain Poca aussi. C'était très très bon. Oh oui. Je connais sa réputation. Ouais. Ah, bah, c'était bien sa bon. La réputation le précède. Ouais. J'ai fait quoi? Je suis arrivé vers 14h, je crois, à l'événement et je suis reparti le lendemain à 8h du matin. Ah ouais, enfin, à 8h30 du matin. Dame est venue me sauver parce que j'ai écrit sur Discord, viens sinon je vais mourir. Et du tout coup, ça, t'as bossé tout ce temps-là de 14h à 8h en live non-stop? Quasiment non-stop. J'ai eu une heure et demie. Je sais pas si t'as vu pause. La photo sur son Twitter, gros, c'était un zombard. Un zombard. Tu vois Tom Nook? Ouais, mais c'est normal. Hein. C'était moi. Ouais, je vois pas Tom Nook. Nous, une fois, je me souviens, on avait fait le début de la saison NBA ici, donc avec Tom, on avait fait 7 heures de live.
On avait pris les deux matchs 6h30, mais on était à la fin, t'es livide quoi. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'en plus la veille, j'ai dormi 3h. 6h, c'est une petite journée. Non, mais attends, quand vous m'aviez, quand on m'avait invité avec Nico Batum, pareil, on était, je sais plus à quelle heure j'étais arrivé. Je suis reparti le matin, mais j'étais. Mais éclaté. Et heureusement que j'avais un autopilote. Hein. Alors, en vrai, attention. Heureusement, les conditions étaient cool parce que tu vois, si vraiment t'étais fatigué, il y avait quelqu'un qui pouvait être remplacé et tout. Mais c'était un plaisir. J'ai rencontré enfin Real Myop, qui est celui qui faisait notamment avec Cœur de Vandal à l'époque les chroniques Speed Game. Donc c'était un plaisir très très sympa au demeurant. En plus. Comment il s'appelle le mec ? Real Myop. Real Myop. Il arrive à jouer quand même ? Ah bah il est très très. Il a des lunettes, en fait son boulot c'est de caster, voilà, donc il a pas besoin. Hein, final, hein, mais voilà, c'était très très cool. J'ai eu la chance de caster aussi une run avec lui. Donc au final c'était vraiment un super event et 614 000, plus de 614 000 balles récoltées. En 3 jours, donc franchement, c'était une petite GDQ à la française. Hein, on verra à la fin avec MV, mais il y a moyen de peut-être gratter un petit billet. Mais ouais, c'était vraiment une putain de bonne ambiance et des très bons souvenirs déjà. Et en plus, il a annoncé à la fin, mais on aura le droit à un nouvel événement l'année prochaine. Donc ça, c'est très très cool. J'espère que ça dure un petit peu plus longtemps, parce que 3 jours, c'est quand même passé assez vite. Mais, j'espère surtout que tu feras une run. Bah ouais. Bah j'ai. Après, 8 minutes, t'as battu ton record, j'ai vu sur tes tweets. Ouais, je me suis remis du coup aujourd'hui à respeedrunner parce qu'en plus il y a des nouvelles strats sur mon speedrun que j'ai testé ce matin et que j'ai déjà rentré en à peine une heure de training, donc ça fait plaisir. Mais non, mais ça galvanise, tu vois, ce genre d'événement, tu vois tout ça. Et puis il y avait des trucs vraiment ouf. Je me rappelle, il y avait un showcase, c'était pas une run, mais un showcase de Osu. T'as Osu, tu sais, au stylet. C'était hallucinant. Et t'as ça, Osu ouais. Mania. Là, c'est comme Dance Dance Revolution, mais là t'avais 7 touches. Et le mec, il te fait des trucs insane, il fait 2 fautes sur tout le truc. Ouais. J'étais bouche bée à base déjà, au sous de base, quand moi je suis passé, le mec était avec le stylet. Le pire, c'est que. Canal Carpien, down, hein, mort. Hein, le vraiment, pire, c'est que dis-toi qu'il y avait le stress d'être en live, le stress d'être sur un setup que tu connais d'expliquer, pas forcément. En plus. Il expliquait pas parce qu'il était en full tryhard. En mode, bon, alors là, je suis juste une machine, donc non, il faisait pas ça. Et au début, j'avais expliqué telle musique, pourquoi, machin, elle était complexe ou quoi. Mais il y avait la volonté de perfer quand même, tu vois. Oui, clairement. Franchement, c'était un putain de bon event, j'en garde un super bon souvenir et j'ai hâte du prochain. Et encore bravo à tous les gens qui ont participé parce que ça s'est super bien passé. Et Wind Waker, c'est trop bien. Et Wind Waker, c'était la dernière run du coup de l'événement. Trop trop bien. Et comme je le disais tout à l'heure à Gigi, c'est la meilleure run de Wind Waker, je crois, en marathon. Donc le mec à gérer, c'était un Suisse qui était venu pile pour faire ce truc-là. Et il a branlé le stick. À un moment, je suis tombé là-dessus. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fout? Bah, c'est pour faire la vitesse. Il prend la vitesse. Il fait ça comme ça dans l'eau pour faire de la super nage et se déplacer. Ouais, c'était très, très bizarre. Il avait expliqué pareil pendant toutes les cinématiques. J'ai pas compris quoi. Il avait expliqué ce qu'il faisait. En gros, qu'il existait des links différents en mode pendant les cinématiques. Genre qu'en gros, le link qu'il utilisait, c'était un link qui passait à travers les murs. Enfin, déjà, les explications, j'étais en mode, j'ai rien compris, mais on va te faire confiance. Il y avait aussi un autre truc qui était cool. C'était, il y a Biwix qui avait participé du coup au tournoi du Barrière l'année dernière. Qui avait fini deuxième. Il a fait une run de Portal, sauf que c'était Twitch qui décidait ce qui se passait dans la game. En gros, il avait, c'est quelqu'un qui a codé ça. Et en gros, tu avais 3 choix, genre augmenter le FOV, augmenter la sensibilité, faire apparaître un cube error, machin. Et le chat votait, et toutes les minutes 30, ça changeait, et tu avais le truc qui popait. Et il a quand même réussi à finir le jeu en moins de 10 minutes, je crois, ou moins de 15 minutes. Ah, le boss. Donc c'était, franchement, c'était vraiment très, très impressionnant tout ce qu'on a vu, et j'ai hâte du prochain. Donc encore GG, MV et tous les gens qui étaient derrière, c'était vraiment un putain de... C'est déjà prévu le prochain, l'année prochaine ou pas encore? Il a juste dit à la fin de l'événement, à l'année prochaine, donc on suppose que. Mais à mon avis, ça a été un tel succès, il ne s'attendait pas du tout, MV, à ce que ça marche aussi bien, que ça ne peut que se reproduire. Et j'espère que ça dure un petit peu plus longtemps. Il ne s'attendait pas du tout. Bah, bon, il a dit qu'il espérait 150 € de dons, il a battu toutes ses espérances quoi. Donc, 100 000, moi je m'attendais à genre 250. Quoi. Ouais, parce que j'ai dit, moi je pensais que ça faisait 200-300 000. Vu que cette année, il y a eu. Tous les records ont été battus, notamment aux The Event, c'était insane ce qu'ils auraient su à faire. Donc forcément, je doute et je comprends MV quand il se dit. Peut-être pas parfait autant, mais on va essayer de briller quand même. Mais au final, autant que le Z-Event, c'est pas la question. Mais... De quoi? Autant que le Z-Event, c'était pas la question. Ouais, mais c'est effectivement, une belle somme quand même. T'as le droit de... Peu importe le résultat, ça, enfin, peu importe la somme, c'est le résultat qui compte. Évidemment. Genre, c'est pour la, ouais, et puis la beauté cause, de l'événement. 5 euros est évidemment le bienvenu. Est-ce qu'il y avait l'armée des 1? Non, c'est pas pareil. Je l'ai appelé quelques fois. Je l'ai appelé quelques fois l'armée des 1, mais elle était bien présente. Tu l'as invoqué? Oh là là. À un moment, je me suis demandé est-ce que Dwagby veut pas donner 500 balles quand même. Mais non, il était absent. Vos abonnés absents. Mais voilà, très très bon souvenir, très claqué, mais franchement. Franchement, j'ai kiffé. Trop, trop bien. M'étonne. Et bien, à l'année prochaine, alors, du coup, avec cette fois-ci, un run de Hugo, évidemment, qui jouera cette fois-ci. Pourquoi pas? Moi, voilà. je suis toujours là. Et puis, Xari aussi, qu'on attend toujours sur Hitman. J'aimerais bien jouer contre toi à la console, Hugo, à n'importe quel jeu.
À quoi tu veux me prendre? Je sais pas, mais voir la, je pense l'énorme différence qu'il peut y avoir. Mais je ne suis pas un pro. Hein. C'est un pro gamer. Hein. J'ai pas besoin d'avoir. C'est un pro gamer. Moi, je suis pas un pro au basket. Je pense que si on joue au basket l'un contre l'autre. Ah oui, tu laves le cul. Oui, tu passes un mauvais moment. Après, non, mais t'as été. Joue à Smash avec Gigi. Oui, oui. Ça se tient, gros. Hein. Il a joué quand même. J'ai fait 3 ans de basket. Non, mais respect. Attends, il était. En pro. Moi, tu sais, pour être agréable. Attends, si vous voulez qu'on soit désagréable, il n'y a pas de problème. J'ai niqué un petit de Malakoff à l'époque. En première au lycée, il était terrain 3, frère. Ouais. Il était quoi? Terrain 3 au badminton. Au badminton, ouais, d'accord. Donc, il a de l'enjus. Oh, attends. Non, j'avais 20. On peut revenir au sujet premier. J'aimerais bien jouer contre toi ou contre vous, même avec vous, un jour à la console. En vrai, un petit Smash. Jouer à Gigi. C'est voir votre vrai niveau et le mien. Vous avez bien vous foutre de ma gueule, mais ça serait marrant de faire un jour, tu vois, mais presque en faire une émission, presque, tu vois. Ah, bah si tu veux. Oh, le concept! Vas-y, go! Voir comment je suis nul à la console et voir avec des mecs, quand même, dont c'est le métier et c'est l'expertise. Tu fais quoi jeudi prochain? Jeudi prochain, je crois que j'ai quelque chose. C'est l'anniversaire de Thomas. Mais on en reparle. On appellera l'émission le clébard. Eh ben, tu sais quoi? Attends, jeudi prochain. On a qu'à faire un happening dans cette émission. Jeudi prochain, bah, c'est ce que j'essaye de faire. Maxou, on en reparle. Mais Maxou. Oh là là, le Maxou World. Comme ça, j'avais 18 ans, je crois. Maxou! Pour un coup de jeune, là, c'est merveilleux. Oh, c'est mignon, Maxou. Oui, ça va, y'a pas de soucis. C'est les meufs en général qui m'appelaient comme ça. Tu fais ce que tu veux. Y'a aucun problème. On a dit à la fin de l'émission pour sucer. J'ai un côté féminin complètement assumé. Ma série préférée, c'est Desperate Housewives, gros, et je l'ai toujours assumé. Bah, y a aucun souci, mec. Bah, c'est dit. Voilà. C'est dit. On a l'info. On a fait le tour des week-ends. On va continuer directement avec les réseaux sociaux. Jingle. Et on commence avec une chanson de prévention de la Croix-Rouge canadienne pour les activités sur la glace. C'est Marie qui m'a trouvé les tweets parce que, évidemment, comme je suis une salle en réunion, eh bien, évidemment, on trouve pas de tweets. Mais semble-t-il qu'ici, il y a une petite dinguerie. C'était pas ça, on peut y aller si c'est interdit. On respecte les consignes. Si on voit un trou ou une craque, on se sauve plus vite. La glace est grise, n'y allez pas. C'est la bleue la plus solide pour la blanche. Difficile à dire, mieux vaut prévenir que guérir. Que guérir. 25 cm. Pas tellement promis. 20 cm. C'est la glace. 1500 mètres moins que ça, c'est trop dangereux. La glace grise, n'y allez pas. C'est la bleue la plus solide pour la blanche. Difficile à dire, mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Eh ben disons, ça. C'est un banger. Hein. Moi, je suis dispo pour être parolier s'ils veulent. Il y a aucun problème. Je pense attends, que non, en vrai, c'est bien. Sur les paroles, il y a un effort. Ça reste dans la tête. Et si ça reste dans la tête, ça reste. Mais pas par dans contre, la tête, c'est DMC, hein, c'est une vraie chanson. C'est les Six Shanties. Ah oui, d'accord, ils sont inspirés d'une chanson enfin, originale. C'est le vrai air d'une chanson, des chansons de Marin, ah, oui, quoi, d'accord. Qu'on avait passé de trucs de TikTok, là, le mec qui faisait. C'était une reprise, c'est la même chose, c'est ça. Non, mais là, en plus, le montage est dramatique, c'est filmé. Oh, le dramatique, quoi. Sauf que si derrière, il y a des gens qui meurent pas dans la glace parce qu'ils sont allés sur la bonne épaisseur, eh ben. Non, mais leur métier, c'est de faire passer un message, certes, mais d'une belle manière. Là, je te dis, on retient rien, on rit dehors, tu rigoles la moitié du temps. Je suis désolé, le métier de la com, c'est de faire passer un message, mais d'une. Ils n'ont pas d'autres moyens. Quoi, tu retiens pas 25 cm motoneige, 15 cm patin entre amis, 10 cm. Ah, c'était 20 patin entre amis. Là, tu vois, regarde, il y a déjà un gambier entre problème, vous. Il y a déjà un problème. 25, 20, 15. Bon, si c'est gris, il ne faut pas y aller dessus. Hein. C'est la bleue la plus solide. Ouais. C'est vrai. Et la blanche, on ne peut pas dire. Tu vois? Ça marche. Après, nous, de toute façon, on s'en bat les couilles, gros. Il fait. On n'a pas de. On a pas de. Pas de fâchis, pas de fâchis. Il y a des fois, il faut savoir s'abstenir, écoute. Voilà. Allez, on déroule le jeu, là, ce soir. Alors, le quiz. On tricote. On y va. Motoneige à 25 cm. Sacré motoneige. Je vous propose de regarder la vie d'un chien. Ton surnom. Je vous propose de regarder la vie d'un chien sur le nouveau sac de cette jeune femme. J'ai bien fait de venir, je suis content. Oh! Ok, Louis Vuitton. C'est étonnant. On l'a déjà vu, ça. Ok. Oh là! Chien! Voilà. Dommage. On l'a mis dans le récap, ça, il y a genre 2 ans, gros. Ah ouais? Dis quelque chose aussi. Aucun souvenir. J'ai jamais vu. Non, mais toi, tu te souviens pas de l'horaire de l'émission, ça m'étonnerait. Ça m'étonne pas que tu oublies ce qui passe dans l'émission. On m'appelle le poisson rouge, j'écoute dans le métier. Qu'est-ce que je te dis? Zia!
Ouais, ah bah tiens, j'ai entendu oh non. Et tout simplement parce que je l'ai intitulé Rizzo le chanteur, ce montage de qualité. Mais mettez encore le son, mais... oh, c'est trop bien. C'est quoi ce deepfake infâme? Oh, quelle horreur. Je vais me coucher à 5h du matin. Ce matin, je me réveille avec ça. Quel Attends, pur plaisir. C'est toi qui as fait c'est ça, les gens. C'est un petit logiciel. Ouais, c'est une appli, c'est Wombo, c'est écrit dessus. Oui, bah, j'ai vu, merci. Bah, j'en ai fait une avec Rofelos, si vous voulez, je peux l'envoyer à Marie. Ok, on va essayer de me montrer ça. On se la met dans la foulée. Attends, mais fais-en avec gueule aussi, qu'on rigole. Oh, bah, tu sais quoi, chaque mardi, on en mettra une. Wow. Ça marche très très mal. Hein. Mais, en vrai, ça va. Mais j'ai vu ça ce matin, et en fait, c'était surtout tes dents. Ça me faisait rire quand j'ai vu. Il a un faux air en plus jeune, et qui avait un toit, à Scatman. Vous vous souvenez de Scatman? Scatman. Mais c'est encore lui. Il est souriant, en tout cas. Il est où, la robe? Il y a un petit air à Scatman en plus jeune. Scatman, il a l'air de Scatman. Scatman, je connais la chanson là, mais c'est je pas le mec avec une pas le dire, mais par contre je vois pas sa gueule. Ah, ouais. Ah si, bah d'accord. Non mais c'est Super Mario, gros, tu le, il y a aucun respect. Ah ouais, quoi. Un petit peu, ouais. Il y a un air, il y a un air. Tu l'as refait l'os ou pas, Marie? Dis-moi. It's Scatman. Dis-moi non si tu ne l'as pas. Ils ont mis Marie dans une sauce. C'est moi qui l'ai en fait. Faut que je l'envoie à Marie, donc ça va prendre un peu de temps. Ok, okay, bah, on va enchaîner. Du coup, on enchaîne. N'hésite pas à nous couper un. Ouais, on va. Bah, on verra juste après. On va voir ça. Prochain. Alors, en fait, sur Twitter aujourd'hui, j'ai vu en tendance beaucoup de consoles qui sortaient. GameCube, Xbox 360, PlayStation. Ouais, j'ai vu GameCube en TT. J'ai dit, bah attendez, pourquoi? Et en fait, tout simplement, bah c'est un peu la mode en ce moment de poser des questions. Voilà, c'était juste pour faire un petit tour de plateau. Et puis, comme on est R1, c'est aussi l'occasion de voir quelle console t'as eu. Afficher juste le tweet, hein, qui est tout simplement un tweet bateau. Disait, c'est quoi au palmarès en console jeu? Tout simplement, quelle console vous avez eu sans tricher? C'est-à-dire que si t'as acheté une Super NES quand t'avais 25 ans, voilà, c'est vraiment, vous avez grandi avec quoi? C'est quoi vos premières consoles? Juste pour avoir un petit tour de table. Juste, je vais commencer avec toi, Erwan, parce que t'es quand même, toi, t'es né avec la console, tout simplement. Non, moi, je suis pas né avec les consoles. Justement, moi, j'ai ma première console, donc ça la première console à laquelle j'ai joué, c'est mon cousin qui avait Atari. 2600, l'Atari 2600, voilà, joystick. Qui avait ça. C'est la première fois que j'ai joué une console. Incroyable. Après, j'ai eu moi perso avec mon frère, on a eu la NES. Ouais. Mais la NES, j'avais 6 ans, hein, donc. Ou 8 ans, je sais plus. Elle est sortie en quelle année? 88? Je sais pas, 85, 80, mais... Mario Bros, je crois. Donc, Tu vois, moi j'ai eu la NES, Super NES, PlayStation 1. Après, je suis parti en centre de formation, donc du coup, j'ai plus trop eu de console. Ouais. Je suis revenu, mon frère avait la 64. 83, 85 chez nous, je crois. Mon frère, il a 64. C'est ça. Après, j'ai eu la. Après, je crois que j'ai eu PS2, PS3, PS4. Ah, t'as eu après PlayStation voilà. Et t'as. Tu l'as eu dès qu'elle est sortie, la NES? Non, je pense pas. Si tu me dis qu'elle est sortie en 85, moi aussi, je l'ai 85 eu. 85 en France. Je l'ai eu à Noël. D'ailleurs, mes parents, ces bâtards, ils avaient fait un truc affreux. Genre, tu sais, à l'époque, c'est on croyait encore à Noël. C'est non, mais écoute ce qu'ils ont fait. Faut être complètement con. D'ailleurs, tu m'étonnes qu'ils aient divorcé parce qu'ils étaient pas bien. On était petits, donc moi, et la console, on l'attendait parce qu'on jouait chez mon cousin, on jouait chez mes cousins à la NES, et on en rêvait, on voulait jouer à Mario, au jeu de foot soccer. Voulais, et tout. Allez voir le jeu de foot soccer, il était honteux, mais pour nous, c'était une révolution. Marie, tu peux voir soccer NES, tu vas voir, tu vas te régaler. C'est technique, hein, soccer. Et donc, on arrive à Noël, et on savait qu'on était censé la voir, tu vois, qu'on avait commandé au Père Noël, et nos parents nous avaient laissé entendre qu'on allait la voir. Et on arrive, on est dans la chambre, ils disent, ah, le Père Noël est passé, venez vite. Donc, on sort, le Père Noël s'était évidemment barré. Et donc, on ouvre nos cadeaux, et nous, on ouvre nos cadeaux, on a deux, trois petits trucs. Bon, sympa, mais il manque. La NES. Il manque le grand rectangle. Il se dit, attends, comment c'est, qu'est-ce que ça se passe? Et là, on comprend qu'on l'a pas. Alors, on sait qu'on nos parents roulaient pas sur l'or, mais on s'est dit, allez, bah. Et avec mon frère, on commence à chialer. Ah ouais, pleurer. Ouais, soccer. On commence à chialer, mais un truc de fou. Et là, ils disent, mais ah, le Père Noël, je crois qu'il a oublié un truc dehors, ils nous l'ont ramené. Les bâtards. Faut pas être con pour faire ça, des enfants de 6 ans, quoi, 8 ans. Et donc on a vu. Ça l'a traumatisé, hein. On a vu ça avec donc Mario Bros et Dunk Hunt sur une même. Cassette. La même cartouche. Et on a vu Soccer en même temps. T'avais le premier jeu de foot. T'avais le Zapper aussi. On avait pistolet et mon père nous avait acheté le premier jeu de foot aussi auquel on a joué. Après, donc, il est violent. Soccer. Il est bien fait. Bah, oh, le FC Silmi sur le club pro sur ce jeu là. Ah, moi j'ai joué à un jeu de foot, je sais plus ce que c'était. C'était Pro Evolution Soccer sur Game Boy, ça ressemblait un peu à ça. Hein, donc, Pro Evolution Soccer, c'est bien après. C'est bien après, évidemment. Mais gros, j'ai pas 40 ans. Après, il y a eu World Cup, USA 94. Si tu veux une anecdote qui ressemble un petit peu à la tienne, mais je trouve qu'elle a été mieux amenée du coup, c'est juste moi qui étais con évidemment, parce que quand t'es gosse, t'es gosse. Il voulait me faire la surprise de notre premier PC familial. Et en gros, il n'y avait pas du coup le gros carton.
Par contre, il y avait les petits, tu vois, les jeux, c'était quoi? C'était Motocross Madness, des trucs comme ça à l'époque, quoi. Oh, et du coup, j'ouvre le truc. Madness. Hélas, un jeu PC. Et je suis en mode, bah c'est cool, merci, mais on n'a pas, pas de PC. PC. Super. Et après, un autre jeu PC. Puis j'ouvre un autre. Puis un autre jeu PC. Je dit, oh, bah, c'est des... Et tu sais, je comprends pas. Et vraiment, le débile, très con. Le débile. Et au bout d'un moment, gros carton. Ah non, mais j'avais. Avec bah, 22 ans. Ah oui, effectivement. J'avais. Il y a un décalage. C'était en 2000. C'était en 2000, quoi. Ah oui, donc t'étais très vieux, quand même. Et les 80 ans. Je suis en 89. Oui, bah t'étais con quand même. Oui, moi, ça percute pas des masses. Hein. Attends, non, c'était j'ai connu des enfants avec un peu plus de jugeote. Ça, je peux me permettre. Un peu plus de veillée. Avant, après la Coupe du Monde. Attends, on était champion du monde à ce moment-là. Parce que moi, mon père, il m'a fait le même coup. J'ai sauté au bras dès que j'ai eu le premier jeu. Donc, j'avais 7 ans. En vrai, attends, mais si, en 2000, j'avais 11 ans. 11 ans, 2000. T'as le droit d'être un peu con, 11 ans. Sans les mains. C'est vrai. Si, si, t'as le droit, 11 ans, on l'a sorti de la vie. Moi, j'ai 38 ans, je m'autorise toujours cette petite fantaisie d'être un peu con. T'as le droit, problème. T'es pas obligé, quoi. Non, si, c'était ça, c'était en 2000, juste j'étais con, désolé. Et après, j'ai ouvert le gros truc, je suis en mode, ah putain, yes. Et là, je savais que ma mère, elle avait pas les thunes d'acheter ça, qu'elle s'était sacrifiée de ouf. J'étais en mode, bon, ok, stylé, merci, ça fait plaisir. Mais ça, c'est beau, ça, Max. Ah, il a la ref. Il a la ref. J'ai la ref. La ref, lui il a la ref. Oh, quelle horreur. En plus, ça fait trop peur. Ref a pris le vaccin. Oh bordel, c'est un DMC. En vrai, je trouve que ça marche pas c'est, mal. Hein. C'est trop bien par contre, ouais, je vais devoir l'utiliser un peu. Avec une photo de face sur fond blanc, ça peut le faire. Il faut le faire avec les bonnes photos quoi. Ouais. On va bosser ça, oh, on va bosser ça. Il fait peur de fou, putain. Ah, genre, il fait oh, le lover. Je suis un lover. Gérard, il y a une dernière, peut-être J'ai une dernière, oui, exactement. Attends, tu voulais peut-être qu'on passe un petit peu plus de temps sur les consoles. Surtout pour Arwan, après, on peut faire un tour rapide. Moi, personnellement, je commençais avec ma première console. Ça a été l'Atari 2600 qui appartenait, en fait, à mon père. Elle était en bois, en plus, à l'époque, non? Comment? Non. C'était pas en bois, en noir. Non, 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 elle était noire, elle était très noire. En plus, les cartouches, tu mettais, t'activais, t'avais un bouton, c'était un levier. Vraiment. C'est catastrophique, je me souviens, j'avais récupéré tous les jeux que mon père avait, et j'avais un gros bait, c'est-à-dire que parmi les cartouches, les boîtes de jeux, il y avait une, c'était Spider-Man. Tu l'as encore cette console? Je l'ai toujours, ouais. Tu l'avais toujours le jeu du policier du voleur là, tu sais, quand tu. Non, alors j'avais Astérix et Obélix. Tu pouvais jouer à deux. Sur Atari 2600. En fait, moi, je te parle vraiment le jeu où on joue au tennis, nous, tu sais, où t'as les bonhommes en carré qui font pup. Oui, oui, c'est dégueulasse comme ça. Mais même Astérix et Obélix, c'est des pixels. Enfin, c'est vraiment très, très moche. Et j'avais une cartouche où il y avait Spider-Man. Je me disais, oh, ça a l'air trop dingue. Je regardais et j'ouvrais. Il y avait un jeu de Formule 1, j'avais envie de crever. Quoi. Et c'est vraiment, c'est une vraie histoire qui me fait encore mal aujourd'hui. Et c'était la première console que j'ai eue parce que j'avais commandé la PlayStation 1 et je l'ai eue genre un an après. J'ai eu PlayStation, Nintendo 64, Game Boy pour Pokémon, évidemment, Game Boy Color. Et après, moi, j'étais pas à côté PlayStation puisque après la PlayStation 1, je suis parti sur. GameCube. Donc j'ai GameCube, et après GameCube, Wii U, parmi les honteux détenteurs d'un Wii U, j'ai eu la Xbox 360 aussi, et Switch, après PS4, PS5, tous les bails quoi. Et PC. C'était bon, mec. C'est quoi vos premières consoles à vous? C'est toi Hugo, toi? NES et SNES. Ok, t'as eu la NES toi? Moi, en fait, mes parents, ils avaient une NES qu'ils avaient achetée à l'époque, okay. Parce qu'ils venaient de m'avoir, voilà, ils m'ont eu, bon, ils étaient obligés de me garder, quoi. Et à 3 ans, ils m'ont dit, bah tiens, pas qu'à tout le monde, hein. À 3 ans, ils m'ont dit, test, et après, mes cousins, ils m'ont prêté leur SNES. Okay. Et puis après, en fait, j'ai quasiment tout eu. T'as eu la Super Famicom, toi? Et toi, Xavier? Bah non. Chaque année, j'avais un osselet en plus dans mon jeu de Lui, à Noël, il avait quoi? Du pain et de l'eau et puis une mandarine. Une clémentine. Ça lui ratait pas, on les ténardiers. Arrête de décoller quoi. J'ai eu la Game Boy en premier parce que Game Boy de base, Game Boy Pocket. Ah, Pocket. Pocket parce que il fallait que je fasse premier de ma classe en CE1. Mm-hmm. Et j'étais premier. Mais du coup, je suis allé voir ma maman. Sinon, j'aurais eu la PlayStation 5 en première console. Je suis allé voir ma maman et j'étais en mode j'ai la Game Boy. Elle était en mode d'accord. Merde, mon fils est intelligent. J'ai acheté le Scrabble sur Game Boy. Non. Mon premier jeu sur Game Boy, Lucky Luke. En vrai, c'était pas mal. Et après, J'ai vu sur PlayStation 1. On est acheté avec mon frère, on a acheté à trop deux avec dur. Notre argent de poche la PlayStation 1. Donc la petite, pas la grise, grosse. La PS1. La PS1, du coup. La PS1, donc c'est la petite. C'était déjà sorti depuis longtemps, il y avait le premier jeu qu'on a eu dessus. Lucky Luke. Il était trop dur ce jeu, gros. C'était un pack qui faisait ça. C'était un pack avec Lucky Luke, Spyro et un jeu de course. Je sais plus ce que c'était. T'as dit quoi? C'était pas Infogrames qui faisait le kill. C'était genre le jeu de course, c'était pas genre Verali.
Non, parce que Virali, je l'ai eu sur Game Boy, mais c'était le premier jeu de mon frère. Et quoi? Non, je sais plus le jeu de course, je sais plus. C'était peut-être Gran Turismo 2. Parce que tu m'en avais déjà parlé. C'était peut-être Gran Turismo 2 et j'avoue que c'était les petites dingueries. Et en plus, nous, avec mon frère, à chaque Noël, on commandait un jeu. Et en gros, on jouait jusqu'à genre 1h du matin. Et à 1h du matin, on disait, hey, on échange. On avait chacun notre Game Boy, tu vois. Et après, j'ai pas eu d'autres consoles avant. Non, j'ai eu aucune console de salon. Genre à part la PlayStation 1. Bah. Et en fait, j'avais pas de télé. Tu disais que tu jouais pendant tes études à la GameCube. Non, la GameCube, je l'ai acheté moi-même en 2000. Plus tard, parce que en 2010. Smash, ah oui. En 2010, plus parce tard. Que je jouais à Smash, juste pour jouer à Smash chez moi. Mais je l'ai pas eu dans le courant du truc. Par contre, je me rappelle que j'avais demandé une Game Boy Advance. J'avais déjà raconté, mais que ma mère, elle m'avait. En gros, pareil, il y a un One More Thing, tu sais, j'ouvre tous mes cadeaux et il y a un truc en mode, bon, j'étais un peu déçu de ne pas l'avoir, mais je me disais, il y a peut-être une douille, peut-être qu'ils vont me la donner. peut-être que Steve Jobs va arriver par derrière. Et en gros, ma mère arrive avec un cadeau et... T'es guerre épée de Tolstoï. Non, non. C'est un truc carré. Et moi, je suis pas con, tu vois, la Game Boy Advance, elle est pas carrée, donc je me dis... Oh, c'est la SP. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, t'avais prank qu'elle avait mis dans une autre boîte. Et là, je me disais, putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, c'était la SP. Putain, la SP. Oh là là, la SP. T'avais la SP tribale qui était horrible. Non, une SP classique, quoi. Mais je vais pas te mentir, qu'entre la Game Boy Advance et la SP, c'est. Il y a un gap, ouais. Il y a vraiment un gap de fou parce que la SP, elle est tellement bien. Elle est mieux, tu l'ouvres. Elle est rétro-éclairée, tu pouvais jouer sous la couette. Mais oui, regarde celle-là, il a eu celle-là, Xavier. J'ai pas eu celle-là. Rigole pas, bleu. J'ai eu la bleue, moi. Moi, j'avais la bleue aussi. Mon plus grand regret dans ma vie, c'est d'avoir vendu mon édition Minish Cap. Mes parents m'abandonnent que d'avoir celle-là. J'avais la Minish Cap, je l'avais reçue à Noël. Minish Cap qui est dans mon top 3 all-time des Zelda. Et gros, c'est cette console de fou furieux. J'arrive en seconde, je deviens un fils de pute, j'essaie de tout vendre et voilà. Et je vends cette console. Je me souviens très exactement combien je la vends. 119€ sur eBay. Je suis une salope, insultez-moi, j'ai envie de crever. Ah, parce que je crois que ça vaut. Moi j'ai eu une classique et je me la suis fait voler cette SP. Oh non. Bien déçu. Un jour de kayak avec mon père. Oh, de kayak en plus. Ah, fouté au kayak. Mais non. Il s'est fait voler par un castor. En vacances, on était là avec le J5, boum boum. On se stoppe, on va louer des kayaks, on fait du kayak, on vient le J5 dévalisé. Et la Game Boy SP. Il fait braquer. Le J5. La tribale, la mort. C'est vrai que j'ai eu très très peu de consoles. C'est aussi pour ça que je suis très naze avec une manette. C'est qu'à part la PlayStation 1, je n'ai eu aucune console de salon. Pas de stick. Aucun stick. Donc je n'ai joué que sur PC et assez tard. En vrai, nous on a eu internet en 2005, genre chez moi. Et avant, je jouais à des jeux. L'eau chaude. Non, mais. Et genre, c'est juste que voilà, tu vois, je jouais sur PC, mais le PC était pas dans ma chambre et tout. Parce qu'on était en mode. Si un écran dans ma chambre, c'est mort. C'est terminé. C'est genre, on va y passer déjà que j'étais pas mal sur ma Game Boy et tout. C'est pas faux en même temps. Hein. Donc du coup, vu que le PC était pas dans ma chambre, tu vois, ça limite de ouf. Et après, quand il y a eu internet et tout, ça c'est. Mais ouais, j'ai jamais joué avec un stick et donc du coup, je suis à chier avec le stick, quoi. C'est cauchemar. C'est la vie. T'avais je jouais à FIFA au clavier à l'époque, gros. T'avais tellement, pas de DualShock. Tellement j'étais PS5, horrible quoi. À la manette. Ouais. Au clavier. Il faut au rouleur. Quand on a tenté un truc pour pas que j'ai d'écran dans ma chambre, directement, elle a dit t'auras un écran dans ta chambre quand tu seras capable de te le payer. J'ai dit d'accord. 6 mois plus tard, j'avais un écran dans ma chambre. Excuse-moi, Hustle on. Warren Buffett. Et en plus, elle t'aidait que j'ai mon écran dans tu ma chambre. Tu vendais du crack à l'article. Mais c'était mieux que celui dans le salon. Ok, Biggie. L'écran que j'avais dans ma chambre était plus grand que la télé du salon. Et du coup, mon beau-père était en mode bah. Ça se fait pas. C'est chiant. Du coup, ils ont racheté une télé. Du coup, ils t'ont pris. Hey, tu mets sous le toit, je te rappelle. Oh merde. Ouais, voilà, fais attention à ce qu'on dit quand on est parents, parce qu'après, forcément, les gamins, ils enregistrent très, très vite. Maintenant, c'est des likes TikTok pour avoir des trucs. Combien de likes TikTok tu m'achètes un petit chat? Et puis. Attends, il y a vraiment ça qui font ça. Ici, il y a un milliard de challenges comme ça. Ça n'arrivera pas chez moi. Non, mais toi, non. Non, mais de quoi? Vas-y, retenir. Il y a un milliard de challenges, c'est. Prise de soumission. À combien de TikTok tu m'offres ces sneakers ou à combien de TikTok tu m'offres machin? Attends, mais comment ça, à combien de TikTok? À combien de likes, pardon. Et la maman, elle fait 100 000, ce sera impossible. Puis après, il m'a allez, la commu vite pour que j'ai un petit chat. Et hop, ça a 110 000. D'accord, mais c'est stage de ouf. Enfin, c'est pas de l'éducation, quoi. Enfin... Bah c'est stage souvent. Bah j'espère que c'est stage quoi. Non mais c'est des fois c'est stage, mais des fois c'est genre vraiment ils sont en mode plus que la commu like comme ça j'ai que la commu like. Et des fois ça marche parce que ça buzz. Mais ça arrive sur ça arrive c'est sur TikTok, mais il y a un moment il y avait une recrudescence sur Twitter il y a quelques années où c'était tout le temps ça, les mecs allaient dans les DM pour combien vous m'offrez un maillot dédicacé par évidemment genre Roberto Carlos, ils étaient en mode 200 000 RT c'est impossible et tous les gens faisaient ça. Enfin d'ailleurs dans les plus gros RT je crois de Twitter il y avait un truc par rapport au un abonnement au chicken ou je sais pas quoi là aux États-Unis il y avait une dinguerie, mais vraiment
vraiment genre en mode les menus à volonté où je sais plus ce que c'était une dinguerie, mais c'est vraiment dans les top trucs retweetés, je sais pas combien de millions de fois, ça avait fait le buzz avec un double Z à l'époque. Il y avait maintenant des gens, enfin il y avait des gens à cette époque-là qui faisaient genre, il y avait des marques, en gros ils allaient voir des marques et genre ouais, ils demandaient un nombre de RT alors que la marque elle avait jamais parlé à ce mec, c'était juste un montage fake, c'était un vieux pour avoir des RT, t'étais en mode bon. C'est dur, hein, mais voilà, ça voilà. Dégoûte. C'est la vie. Tu parles de bouffe et pourtant je sens que ça va avoir aucun rapport, je le tente quand même. Le Panini FC Silmi. Ouais, aucun rapport, c'est aucun vrai. Rapport. C'est l'autre Panini, c'est la marque Panini. C'est tenté, ah, non, mais c'est ouais, c'est. Bah écoutez, comme vous le savez, le lundi, nous sommes. Le FC Silmi évolue et nous sommes d'ailleurs passés Div 7 hier, ça fait extrêmement plaisir. Et puis il y a tout simplement un abonné qui a créé voilà, Div 1 ou rien, ah, comme il a dit. FC Silmi, il a dit Panini, est-ce qu'on n'irait pas chercher un petit album ici? Et plutôt bien fait, ça nous a fait sourire, c'est très sympa avec la formation. Les joueurs. Il allait récupérer. Bah moi, il m'a mis à Narbonne hein, parce que je suis né là-bas. Je croyais que t'es pas né à Paris, donc j'ai pas trop. Non, pas trop compris. On remarquera que je suis le seul joueur avec le drapeau d'Algérie. Apparemment, je suis pas français, mais. il a tenté des trucs. C'est pour le lore, évidemment. Je rigole. Et du coup, là, je trouve ça assez sympa. On en parle de PA qui apparemment. Une toute petite tête sur son corps et non, mais on dirait qu'il a pas de coup par contre. Il a pas de coup. Mais du coup c'est vraiment chouette parce que depuis hier encore une fois comme chaque semaine ça prend de plus en plus ampleur et les gens il y a même un compte maintenant il y a tout un lore ouais FC Silmi qui a été créé le mec en justement plus, c'est mon prochain tweet ça, bah, je te lance là-dessus. une entrée fracassante puisque le FC Silmi a droit à son compte officiel Twitter où il y a une petite répertoriation je sais pas si ça se dit non, de toute, non. je confirme que ça ne se dit pas un répertoire dirons-nous de toutes ces stats, si tu descends, t'as accès à des trucs, des petits graphes faits par leurs graphistes. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de trafic en ce moment. Tu sais utiliser un scroll ? Oh non ! Oh ! Non, mais tu sais utiliser un scroll. Bah on en a pour 10 minutes d'émission. Voilà, regardez, on a des petites stats comme ça là. Tir au but et on apprend tout de suite que Étoile est le GOAT en précision des tirs. C'est assez insane. Par contre, Ponce, après, ils sont logiques. Ponce, ils sont logique, servis, il c'est logique. Hein, ouais, on les sert, hein, il les sert. Hein. Ah ouais, bah moi, mais Gigi, je suis traiteur, hein, moi. Je croyais que tu m'avais dit, Gigi, que t'avais fait quelques dingueries. Au final, ça va, t'es pas dernier. Ponce, après, c'est logique, il est gardien, donc on va pas lui en vouloir. Mais justement, c'est ce que j'ai dit avant, mais toi, je pensais que tu serais au moins juste devant. Les gens vont dire, oh, mais Ponce, tu l'abuses, il est gardien, donc c'est assez logique. Non, mais on a des bonnes stats. Après, bon, Étoile, c'est un peu le. Bah, c'est le croqueur. C'est le croqueur de l'équipe quand même, il grignote pas mal. On l'a refoutu en défense, on l'a calmé un peu. Parce qu'en vrai, c'est trop chiant, mais pour lui, je pense. Mais Étoile, c'est vraiment notre meilleur joueur en défense, et du coup. Mais toi, il est chaud partout. Tu t'amuses un peu moins, c'est vrai, en défense, mais il est trop fort. Donc pour l'instant, il est là-dessus. Mais ouais, il y a des belles stats. Hein. DFG qui a fait une grosse saison hier, on va pas se mentir. Un vrai pied droit de ce mec-là. Qui était le meilleur buteur hier ? Meilleur. Bah, je pense que c'est DFG. By far. DFG, oui. DFG, c'est un buteur. Ah, il est buteur. Ah, il touche la balle, elle s'envoie, elle explose. Mais il avait un niveau de base ou il avait jamais joué ? Il joue en pro D2, je crois. En fait, il est buteur. Jiraya, il provoque. Le gardien sort. Et après, DFG est seul devant le but, donc facile. Ouais, il est chaud. Hein. Moi, je suis provocateur, moi, tout simplement. Agitateur même. Exactement. 44 matchs déjà, quand même, hein, pour le FC. Ouais, 44 matchs. Ah ouais. Bah, tu t'es dit Div 7 hier. Bon, on a fait quelques défaites, mais. Quelques pépites qui sont sorties. Quelques pépites, mais bon, on espère monter, quoi. Donc, alors, Erwan, il t'expliquait tout à l'heure que le tricotage n'est peut-être oui, pas. Oui, tout à l'heure, on parlait un peu de tricotage. Je lui disais, bon, j'ai mon lexique à moi, donc ce serait bien de ne pas empiéter dessus. Non, mais moi, j'étais pas au courant parce que j'y connais rien. Oui, le défenseur fait une passe en retrait au gardien. Oh, ça tricote. Voilà, c'est ça. Ah non, mais en gros, genre, les mecs font 4 passes, on passe la défense. Sur joue pas perso. Du coup, c'est quoi tricotage ? Tricoter, c'est quand tu fais du chichi, quoi, quand tu dribbles beaucoup trop. Ouais. Quand tu dribbles et que c'est pas quand tu croques le ballon, quoi. Voilà, croquer. Croquer. Tu dribbles trop, tu joues tout seul, tu joues perso. Tu t'essayes de faire des dribbles et souvent alors ça se passe. Pour moi, tricoter, pour moi, c'est plus tricoter, on construit le jeu. On est là. Moi, j'aurais utilisé par une stratégie. Ben voilà, moi, c'est une logique. C'est une logique derrière. Après, excusez-moi d'avoir fait du tricot, donc j'y connais un petit peu là-dessus. Mais non, on a notre lexique. Construit, propose. Construit, propose. Des gens qui s'enferment aussi beaucoup. C'est ça que j'y connais rien. Moi, j'ai pas le rouler quoi. Il y a moyen de trouver quelques... Hier, Xari, alors peut-être pas le meilleur joueur, mais le meilleur buteur. J'ai jamais vu ça. Ouais, oh, bah, gros, il a mis une dinguerie, un arc de cercle, oh, bah, c'était un boomerang, ça y revenir, c'était hallucinant. Attends, mais t'as changé tes stats du coup ? Non, c'est juste. Moi je suis le pied gauche, je suis Ariane Robben, je mets que des enroulés gros. Et... Ça marche. Faut pas que je sois genre, si je suis juste à entrée de surface, genre pas dans la surface, mais juste à l'orée de la surface. Si tu me laisses le ballon, c'est but. Il y a pas de tissu. Une touche, un but. Vous allez voir, ça c'est très certainement le plus beau but de la saison.
PSG d'ailleurs, il menait 2-0. On va pas dire qu'on perd 6-2 après, mais tranquille. Attends, c'est bien amené tout ça. Regarde, regarde. Oh, ça vient entre les lignes. T'as vu le jeu qui a été tricoté autour. Oh là, mais t'es acerbe avec. Ah oui, il est énorme. Après, il est allé dans le public, il a mis une patate à un mec. J'ai halluciné. Tu peux les percer. Ce serait dingue que tu puisses les percer. Et là, ce matin, j'ai fait une session de 2 heures de coup franc là. Tout seul ? Tout seul. Tout seul. Juste en mangeant. On travaille. En mangeant mon tricot. Non, mais attends, la place, ça se mérite, toi, FC Simi. Je vous préviens direct que la semaine prochaine, s'il y a un coup franc, c'est but. Okay. Il a annoncé. Tous les ballons flottants. On verra la stat sur le Twitter officiel, hein, parce que s'il y a ce pas. Enfin, ce sera cadré, et peut-être que le gardien en face sera une dinguerie, mais ce sera cadré à 100%. Et... Là, tu commences à bégayer déjà. Non, mais non. Ah, mais Cristiano Ronaldo, il dit jamais si le gardien et tout, il dit il y aura but. Ah non, il parle pas français. Donc, non, mais je. Merci, le Cécile Mille. Team premier degré ici. Hein. On se cover. En tricote. Mais t'as réussi 11% de tes passes, tu te la racontes, ok, très bien. Va tricoter ailleurs. T'es même pas dans l'équipe. Donc voilà. Quand même. En tout cas, il y en a un autre qui tricote certainement ailleurs. Il a peut-être des vues ailleurs. C'est Kenny Hess, que vous connaissez certainement de Kenny Hess, le génie de la WAP, si je puis me permettre, qui hier a tweeté ce gif, qui est un gif de Valorant. Alors, j'ai du mal. Ma langue a fourché, si je me permets. D'accord. Ça me rappelle une photo. Un gif animé, oui. S'il vous plaît. On ne va pas parler plus, on ne va pas plus tricoter plus. De ça. Non, ma langue a fourché. Il y aura des clips certainement. Mais un petit gif donc de Valorant. Du coup, je sais même pas où est-ce qu'il joue Kenny Hess actuellement chez CS. Je sais même chez pas lui, s'il est encore chez CS dans une certaine chez team. Chez CS. Kenny Hess, voyons voir. Son palmarès actuel. Il est chez G2 encore apparemment. Mais vu qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont fait le pas entre CS et Valorant, notamment est-ce qu'il a déjà joué en stream, etc. ou pas? Je sais pas, justement. Moi, j'ai toujours vu Scream y jouer avant de partir sur Valorant. Il jouait un peu à Valorant tranquille et ensuite il allait rejoindre son équipe et tout. Donc là, je sais pas trop ce qu'il se prépare, mais apparemment, il se fait bâcher la gueule sur Twitter. Pourquoi? Les gens sont en mode ah non, on va pas sur ce jeu, tu casses les couilles, tu m'as fait découvrir CS et la beauté du geste avec la WAP, s'il te plaît, pars pas là-bas. Ouais. Donc apparemment, les gens le réceptionnent mal, tout ça, mais on verra un petit peu plus. Comment on dit? Ah, il s'est fait bench de G2, des d'accord. Des gardes paroisses ou un truc comme ça, tu vois. Ils veulent absolument garde-clocher. Ouais, ils veulent absolument défendre leur jeu parce qu'ils se disent ok, si tous nos gros joueurs partent là-bas, c'est mort, tu vois. Mais bon, ça n'a rien à voir. Ok. En tout cas, le chat me dit qu'apparemment, il s'est fait bench de G2. Donc peut-être qu'il prépare quelque chose sur Valorant. J'en reparlerai de toute façon, je me renseignerai mieux la prochaine fois pour en reparler. Est-ce qu'il y a du pognon à gagner sur Valorant? Parce que les joueurs pros, c'est aussi une des questions qui sont à se poser. C'est sur quel jeu dois-je aller? Bah là, en ce moment, tu as les Valorant Champions. Donc c'est leur gros pro tour. C'était ouvert, si tu veux, les qualifications. C'est ça. En fait, ils font un truc vachement storytellé, comme ils ont l'habitude de faire sur leurs autres compétitions, sur leurs autres jeux. Donc là, c'est plutôt stylé. Après, c'est encore un jeu qui est jeune, qui a moins d'un an. Mais comme on en avait parlé dans Parlons Peu, Parlons Clutch la semaine dernière, il y a une belle scène française qui se profile. Et au-delà de ça, il y a des très très bons joueurs, et surtout des joueurs qui ont une putain de carrière sur CS, qui vont vers Valorant. Scream, il a jamais brillé en carrière parce que bon, il est un peu tombé dans les teams où il y avait des soucis. Et puis on sait que c'est pas forcément un joueur qui est bon en team, il brille tout seul, si tu veux, il fait des plays. Mais là, s'il y a d'autres joueurs de CS qui vont et qui font la passerelle encore, ça va peut-être donner encore plus de sérénité au jeu et de pérennité. Donc, faut l'avoir. Mais ouais, il y a des petits sous-sous à se faire quand même. Hein. Et puis, j'enchaîne avec tout à fait autre chose, mesdames et messieurs. Mais j'annonce officiellement dans cette émission que c'est le retour de Speedrun. Let's go! Oh non! À partir de jeudi, donc cette semaine, on reprend l'émission Speedrun enfin pour une nouvelle saison. Et nous avons le plaisir d'accueillir Xary pour ce premier épisode. Oh putain, j'avais pas reconnu Xary au milieu. Ouais, bah, il y a eu un montage de fait, mais. Il est plus, on va dire, acerbe qu'en vrai, hein, sur cette image-là. Il est violent, là, Xary. J'aimerais pas le rencontrer dans une ruelle sombre. Hein. Eh ben justement, en plus, il va être assez acerbe aussi sur Hitman, puisqu'on le reçoit ce jeudi-là. On fait un épisode spécial sur la trilogie. En gros, au départ, comme d'habitude, l'émission reste la même. Hein, c'est-à-dire qu'on va revenir sur des actus par rapport au speedrun. On va revenir sur Speedon et nos runs préférés de l'event. Ensuite, c'est Xary qui nous montrera des strats sur certaines maps de la trilogie Hitman. Et ensuite, on fera un cast tous les trois du speedrun de Hitman 2 en Sasso professionnel et Hitman 3 en Sasso master.
Donc c'est 2 fois 20-25 minutes à peu près les runs, donc ça se fait assez vite. Mais voilà, une émission bien cool, ça durera 2 heures maintenant, c'est plus 1h30. Et les VOD seront uploadés sur ma chaîne YouTube perso et non plus sur le stream replay. Et autre annonce, la prochaine émission, j'ai réussi déjà à choper quelqu'un pour la prochaine émission. Ce sera dans 3 semaines, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a un truc de prévu dans 2 semaines. Ça reste une bimensuelle. On aura un télo qui a fait l'avant-dernière run de Sekiro. C'était pendant Speedon. Ah oui. Donc, très très bon runner français. Et on l'accueillera pour le prochain épisode. Il nous prépare justement un speedrun de Sekiro qu'il a jamais tâté avant. Donc, ce sera du jamais vu avec lui. Et bah voilà, on a déjà un petit programme stylé. Donc, on vous invite à être là jeudi quand on lancera l'émission. 20h30. GG, voilà. Mec. Jeudi, 20h30, toutes les 2 semaines, soyez au taquet. Enfin, toutes les 2 semaines. Calmons-nous. La suivante, il faudra attendre un petit peu. Ouais, c'est ce que j'ai dit. On verra. La prochaine est dans 3 semaines parce qu'il y a un petit truc de prévu. Ça doit être une OP dans ce créneau-là. Donc, ce sera la semaine qui suit encore. Quoi. Exactly. Très bien. En tout cas, retour du speedrun qui fait plaisir. Juste après Speedo, en plus, j'ai envie de dire, les étoiles s'alignent. C'est merveilleux. Les planètes, plutôt, qui s'alignent. Xavi. Oui, c'est vrai, on va parler vite fait quand même de choses et d'autres. J'attends juste que ça charge, je ne me rappelle plus. Ah si. Ah. C'est vrai qu'hier, il y avait quand même François H. Il y avait François H sur Twitch. H-World. Et c'est vrai qu'il a mis une petite tacle. Petit coup de tacle à Max et Carlito. Je trouve c'est plutôt pas mal de demander à ces deux créateurs de faire une chanson et de faire une animation pour qu'on respecte les gestes barrières. Vous l'avez regardé la chanson ou pas? J'ai écouté la chanson. Vous avez pensé quoi? Qu'il vaut mieux faire un geste barrière. Donc, compris par rapport à la chanson. Mais... Il a un petit peu taclé. En vrai, j'ai pas regardé, parce que évidemment, c'est pas mal des fois qu'on puisse un peu critiquer des chansons qui sont faciles comme ça à faire. Moi, je trouve ça bien parce qu'aujourd'hui, on dit amen à tout parce que c'est des mecs qui ont une communauté et tout. Et je les aime beaucoup, hein, au demeurant. Mais quand des fois c'est facile et qu'on tire sur une, toi qui veux tricoter sur une pelote de laine, ah ben des fois on a le droit de dire bon, ben c'est peut-être pas à eux de le faire, c'est peut-être pas leur métier de faire des bonnes chansons. Hein. On a le droit de critiquer sans dire que c'est les pires mecs du monde. Aujourd'hui, l'objectif n'était pas de faire une bonne chanson, c'était de faire une chanson qui parle à leur communauté, qui fait marrer leur communauté. Ouais, c'était sans prétention. Et à un moment donné, quand tu fais des trucs comme ça. Là, quand il dit ça, il fait de la politique surtout. Ah bon? Bah, il se dit, je mets un taquet, je me mets dans la poche tous ceux qui aiment pas McFly et Carlito. Mais pour le mettre dans la poche, pourquoi? C'est quoi ses ambitions politiques aujourd'hui? Quoi son programme? Pour le moment, peut-être. Je crois pas qu'il fait de la politique, je crois qu'il chambre comme tout un chacun. D'ailleurs, c'est un gros chambreur, François Hollande, dans la vie privée, à ce qui paraît. La preuve en est. Moi, je trouve que c'est marrant, des fois, de mettre des petits tacs à des gens. C'est pas grave, en fait. Et des fois, l'esprit critique peut amener quelque chose de bon. Alors, c'est vrai que si on critique au chalumeau tout ce qui passe pour brûler tout le monde, évidemment, c'est pas constructif, mais des fois, la critique, elle est constructive. Mmh. Et je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup trop de gens, et notamment plein de gens sur YouTube, Twitch, ou tous ces gens un peu influenceurs, ne supportent pas la moindre critique. Prennent tout mal. Alors qu'en fait, la critique, ça doit t'aider à progresser. Enfin, voilà, moi, c'est pour mais ça pour que... le coup, McFly et Carlito, ils ont rien dit. Ils ont rien dit. De toute façon, je pense qu'ils sont bien au-dessus de ça. Et ils ont bien raison. C'est des mecs détachés un petit peu de tout ça. Mais je trouve que je parle pas de McFly et Carlito. Je parle que souvent, quand il y en a, j'ai vu des réactions par rapport à François Hollande. Non, excusez, moi, critique. Mais c'est bien de critiquer, tu vois. Mais je parle vraiment au sens large de la critique. Je reviens même pas sur François Hollande. Quand on parle de Lupin, quand on parle de Weshden, quand on parle de... tu peux plus rien dire, sinon t'es un rageux, t'es un ci, t'es un ça. Alors, je suis pas d'accord avec ça, je trouve que la critique est toujours positive dans la construction de tes projets, de toi, voilà. Bon, on s'est jamais privé de dire ce qu'on pense ici. En général, ici, le récap, c'est je ne pointe personne du doigt autour de la table. Je parle vraiment au sens très mais très ça, large. Mais ça, ça existe depuis la nuit des temps. Dès que tu vas dire un truc, il y aura toujours un gars qui va dire c'est ouais. Non, pas que un, mais c'est pour ça que la critique, des fois, elle fait mal au cul. Mais moi, des fois, je prends des commentaires sur Twitter et sur YouTube sur nos émissions basket et je me considère comme un expert du basket. Des fois, il y a des mecs qui viennent me dire rien. Ça m'en fait un peu chier, mais du coup, je fais. Ok, je vois où il va en venir. Et c'est intéressant, tu vois, parce que le jour où tu supportes plus la critique, tu progresses plus. Voilà, je voulais faire un petit coup de gueule. C'est bien vrai. C'est beau ce que tu dis. C'est bien vrai. Si on peut revenir rapidement sur cette histoire avec Hollande.
J'avoue ne pas avoir regardé complètement non plus parce que juste je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas, j'avais envie. Mais c'est bien, on a gagné 5 minutes, c'est bien. J'étais pas devant mon écran à ce moment-là. Qui a regardé le truc? Moi j'ai regardé. J'ai des pépites, j'étais en train de mettre des gros centres. J'ai regardé une vingtaine de minutes, mais après j'ai regardé le FC Milan. Bon, tu vois, il y a quelques personnes d'accord avec toi. J'ai demandé conseil à François Hollande, il va peut-être me dire reste sur les gestes barrières politiques. Erwan rageux. Ma question c'est, Samuel Etienne avait déjà dit sur sa chaîne que son but était absolument pas de faire de la politique. Est-ce que vous pensez pas qu'en invitant François Hollande du coup hier soir, il commence à faire de la politique? Est-ce que vous trouvez ça parfaitement bien, il n'y a aucun souci? Est-ce que vous y voyez quand même une petite tache d'ombre là-dedans? Qui l'a vu? Moi j'ai pas tout regardé, moi j'ai pas parlé. J'ai pas vu, donc c'est compliqué de parler d'un truc dont on n'a pas vu. Maintenant, moi, pour moi, François Hollande aujourd'hui, dites-moi si je me trompe dans le chat, parce que vous êtes toujours bien informé là-dessus. Il est retraité. Est-ce que il a des ambitions politiques futures? Non, je crois pas. Non, il l'a dit. Il est organisé. Donc je pense pas. Donc après, inviter un ancien homme politique pour avoir peut-être son avis sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi intéressant. Est-ce que inviter un ancien homme politique, c'est faire de la politique? Je me souviens de Rémi Reverchon à l'époque chez Bean, avait invité Lionel Jospin, qui était complètement sorti de la vie politique et depuis des années. Bah c'était cool. Alors on sait parce que pour ceux qui savent pas. Même s'il n'a pas d'ambition politique, il a des idées. Il a un clan, il a des idées, tu vois ce que je veux dire. Son clan, c'est le Parti Socialiste. Et si tu, sans être un aficionados, je pense que le Parti Socialiste, il y a plus de monde devant le stream que des adhérents au Parti Socialiste. Non, mais c'est pas parce que tu as été politique un jour que tu peux plus venir dans les médias et discuter, donner ton avis sur autre chose. Surtout que je pense que c'est un mec qui a plutôt le recul nécessaire pour parler de manière assez libre des choses sans vouloir influencer qui que ce soit. Par contre, ça risque de poser un problème. Si les hommes politiques vont sur Twitch de plus en plus, au niveau du temps de parole, ce que contrôle le CSR à la télé, comment tu vas faire sur Twitch? Parce que t'as le temps de parole qui est... Ah là, ça va poser... Aussi, va y avoir ils le font pas déjà sur YouTube. Il va y avoir une vraie jurisprudence. Il y a déjà des mecs qui... Enfin, ouais. Mélenchon et tout. Mais c'est sur leur chaîne à eux. YouTube. C'est sur leur propre chaîne, c'est différent. Là, tu viens sur Twitch sur un truc un peu dit généraliste. Non, mais s'ils font leur chaîne et qu'ils discutent sur leur chaîne sur Twitch. Limite... Oui, mais c'est pas pareil, là. C'est ta chaîne. Donc les mecs qui viennent sur ta chaîne, ils savent pourquoi. Là, c'est un mec qui fait de l'actu généraliste. Et là, c'est de vérifier que sur les autres médias, ils ont un temps de parole qui est réparti. Ouais, bien sûr. Bien non, sûr. Là, le après, souci. S'il se met à le faire, Samuel Etienne, il faudra juste qu'il le fasse avec tout le monde, mais pour le moment, c'est pas le projet. Ce qu'il y a, c'est quoi là, c'était Hollande, donc il l'a dit, sa carrière, c'est terminé. Il s'est fait bench comme Kenyès, donc on n'en parle plus. Mais par contre, voilà, la question, elle se pose réellement pour si à l'avenir, on est amené à voir des politiques en campagne sur Twitch, quelle est la limite? Surtout si c'est des gens qui streament un peu ouvertement comme ça. Du coup, c'est plus de la sympathisation que de la présentation propre et nette du programme de cette personne, que ça parle plus en délire de fanboyisme, un peu comme ce qui s'est passé avec Macron, tu vois, sur TikTok, où le mec, il signe... le mec, bah, c'est notre président, hein, Macron, il signe le mot d'absence pour les gosses qui voulaient un autographe. Et ça fait un peu de starification de ces hommes politiques et de ces personnes politiques qui ont un impact, puisqu'ils sont dans la vie politique française. Je me dis, là, il y a peut-être un souci, il y a des questions qui peuvent gêner par la suite, tu vois. Clairement. En tout cas, c'est sûr qu'il faut que ce soit encadré, et que là, il y a un vide en ce moment dans ce truc-là, qui est que, OK, il y a tout le monde qui s'intéresse à Twitch, que ce soit la TV, et la politique, c'était déjà le cas. Il y avait Mélenchon qui a streamé, on en a déjà parlé. Moi, je n'ai jamais regardé ces trucs-là, parce que ça ne m'intéresse pas, donc je ne peux pas m'exprimer totalement là-dessus. Mais en tant que viewer, ou mec qui se balade sur Twitch, si je me dis qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes, qui n'ont pas trop de recul là-dessus, et qui voient, un jour, je dis une bêtise, hein, mais Macron qui fait une room Apex avec Gotaga, bah, ils n'auront pas le même regard que s'ils regardent une émission sur journalistique à la télé où le mec présente son truc de A à Z. Donc je me dis que là, ça peut poser un problème. Mais pour hier, je ne vois pas vraiment où est le souci, tu vois, vu que sa carrière a terminé, quoi. C'était plus l'humain, ça s'intéressait plus à l'humain que derrière, à sa carrière, ses ambitions. Ce n'était pas du tout le but, quoi. Faut voir. Et ta question, elle est bonne. Hein, l'idée, c'était de poser la question. Vous avez donné vos réponses, ça me va. Pour l'instant, non, mais ça risque à un moment donné, si les politiques viennent faire, et t'as raison, Macron qui vient sur TikTok, faire, hein. Dans un truc scénarisé et tout. Moi, je me dis que si t'es un homme politique, alors on sait que la com dans la politique est très importante, mais si t'en es rendu à aller faire, à scénariser des trucs TikTok quand t'es président de la République, ça veut dire que il n'y a pas de fond. T'es juste dans de la fame, dans du truc, et tu vas te jeter dans les réseaux sociaux pour récupérer les jeunes adultes. Donc là, c'est très inquiétant déjà de fonctionner comme ça, et c'est surtout très inquiétant s'ils arrivent à être élus en faisant des trucs comme ça veut dire que derrière, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment rien, parce que
quand tu votes pour un mec, t'as pas envie de dire, il est sur TikTok. T'as envie de te dire, attends, lui, il va peut-être faire en sorte que ma vie va être moins pire que ce qu'elle est. Oh, c'est le TikToker connu. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit, il faut être majeur pour voter Hugo. Ben merci Clébar, je suis au courant. Mais c'est juste que si tu grandis avec un mec qui stream sur Twitch depuis que t'as 14 ans et que tu le regardes pendant 4 ans jusqu'à ce que t'aies le droit de vote, forcément tu le verras différemment, quoi. Donc il y a moyen que tu votes pour lui. Il se fait pas sur quelques semaines ou quelques mois pour. Non, mais on a l'impression des fois que vous nous prenez pour des débiles. Restez assis, les mecs. Les jeunes. Hugo, bonne ambiance. Ne lis pas le chat. C'est eux qui font. Arrête avec ça aussi. C'est comme, envie de le bouffer, c'est comme les cigarettes, c'est les jeunes qu'il faut. Oui, c'est ça. Alpagué. Bref, on va parler d'un petit distributeur assez étrange au Japon. Enfin, étrange, c'est spécial. Ah, si, distributeur de nasal. Ouais, distributeur de test, tout simplement. PCR. Il te frotte ou pas? Non, c'est juste pour faire tes tests chez toi et t'as les résultats en 24 heures. Ça coûte 40 balles par contre, hein, donc c'est quand même assez cher. Ah ouais. Cher aussi. Mais ouais, ils en ont parlé. Mais il y a d'autres pays, il n'y a pas que le Japon, il y a d'autres pays qui proposent de faire ça, de faire le test soi-même. Mais je crois que c'est un test salivaire, il me semble. Ah, c'est pas le test PCR. Ouais, c'est pas le test nous, PCR, non, pour. Bah, tu vas pas t'enfoncer. Bah, faut avoir envie hein, d'aller le chercher toi-même. Surtout si tu le fais mal, ça peut être dangereux. Ouais, donc non, c'est salivaire. Et bon, au moins, ça évite, ouais, c'est ça. Comme ce monsieur le dit, hein, ça évite qu'il y ait un milliard de mecs. Ouais. Parce que c'est bien joli de te faire tester, mais si t'es dans une queue où il y a techniquement des mecs qui. Après, c'est ce qu'il explique là, c'est justement pour éviter les effets de foule. Exactement. Après, bon, c'est bien, mais c'est quand même 40 balles. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas la situation au Japon financière, mais c'est quand même assez onéreux, quoi. On va pas se mentir. Je sais pas s'ils ont une. Vivement le full vaccination. Ouais, exactement. Vivement le retour des beaux jours. Alors, prendre un peu de temps, apparemment, on a beaucoup de mal à se fournir. Ouais, on a. C'est pas fou. Ah bah, Castex, il a dit 30 millions en juin. Ouais. Non, ça marche pas. Ils avaient donné les chiffres techniquement. Non, en fait, je crois qu'on fait 500 000 vaccinés tous les 3 jours. Et pour atteindre les chiffres qu'ils avaient donnés, parce que notre président avait dit qu'il voulait que ça se termine avant septembre, enfin fin été. Ouais, ils ont fait le calcul. Si ça continue à l'allure actuelle, on aura fini en novembre 2022. Ouais, bah oui. Donc voilà. Après, normalement, c'est censé passer à la zone. Oui, bien sûr. Évidemment, ça accélère. Est-ce que les médecins généralistes peuvent déjà vacciner pas encore? Ben non, ils gueulent là parce qu'en fait aussi ils vaccinent, parce que mais quand en fait ils, vont ils tous avaient des le faire, ça va, ouais. En fait ils avaient des comment ça s'appelle des commandes qui devaient arriver, donc de vaccins, etc. Et là ils gueulent les médecins généralistes parce que en fait ils se sont fait bypass les commandes qui passent chez les pharmaciens, du coup. Et donc là ils sont un peu fâchés parce que ils sont en mode, bah nous on attendait, on a déjà nos plannings qui sont chargés de ouf, il y a plein de gens qui ont plus de 75 ans, tu sais, pour qui répondent aux critères, ou les gens en cas de comorbidité qui ont déjà pris rendez-vous, et ils disent bah là on se fait bypass. Et c'est passé aux infos hier, ils ont parlé, et ils étaient je quand même assez abasourdis de pas recevoir tout ça, quoi. Je regarde, t'as un site qui s'appelle Covid Tracker, et ça te dit à peu près quand est-ce que il y a apparemment sur la proportion des ah bah nickel, Marie elle l'a affiché là, il t'explique que t'as 6% des Français qui ont au moins une dose de vaccin, parce que c'est ça, faut les deux doses, c'est ça, et 3% qui ont eu les deux doses. Donc quand tu vois ce qui reste à remplir, bon. Il y a du taf. Après, vacciner les adultes, hein, ça fait 50 millions de Français. Donc c'est quand même. Après, c'est censé. Enfin, au bout d'un moment, comme dirait Leclerc, il faut enclencher, quoi. Donc, il va falloir mettre les colonnes de vaccins. Non, mais en vrai, c'est... En fait, ce serait bien, j'avoue, qu'à la rentrée, entre guillemets, ce soit plus sécure, quoi. Mais après, il y en a aussi qui ne veulent pas se faire vacciner. Il y a pas mal d'autres problèmes aussi. Hein. Ouais. Enfin, bref. Il y a eu une petite Adopi hein, qui était là, qui a fait une petite étude sur la SVOD. Contre les usages de la SVOD. Il y a petite source ici de 68% sur le total des SVOD, 68% Netflix. Service de vidéo à la demande. Service vidéo à la demande. Ah oui, SVOD. En streaming, quoi. De vidéo. Il y a My Canal 12% quand même, et Prime Video 11%, Disney Plus 5% et autres, le reste, quoi. Donc, c'est quoi, c'est en France? Ouais, c'est en France, ouais. Médiamétrie, d'accord. C'est les chiffres de gens qui consomment, du coup, c'est de la en SVOD, gros, sur les 100% de gens qui consomment de la SVOD, il y a 68% qui. Et le truc, là, de France c'est Télé. C'est selon qui, ça? Tout pété. Bah, médiamétrie. Le truc de France Télé, la catastrophique. Salto, là? Aucune Salto, idée. Salto, ouais. Aucune idée d'où c'en est. Ce qu'il y a, c'est que Salto, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans un récap, mais quand je vois les pubs à la télé, ils mettent des séries qui sont fondamentalement pas nuls, tu vois. Donc, ils ont vraiment agrémenté leur catalogue de plein de trucs qui sont passés à la télé qui n'étaient pas dégueux. Pour, je pense, attirer des gens et les faire regarder. La concurrence, elle est énorme. Elle est énorme. C'est ça, clairement.
Après, ouais, c'est des chiffres. Enfin, je vais pas faire le complotiste, mais gros, moi, quand je dis les chiffres médiamétrie, j'ai envie de me tirer une balle, quoi. Alors, en fait, on a interrogé 5 mecs avec Boîtier. Bon, on a décidé que ce soir, il y avait 9 millions de enfoirés. Bon, on va te faire foutre. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a expliqué net et précis. C'est des tests. En vrai, théoriquement, c'est censé être plus ou moins fiable, tu vois. Mais maintenant. Je sais pas, ça me dégoûte en fait. J'ai lu le graphique en haut à droite, j'ai vu marqué Adopi, j'ai même pas envie de lire. Non, mais il y a un rapport et tout qui est sorti, hein, qui fait genre 80 pages, vous pouvez aller checker. Enfin bref. Je vais le lire ce soir, peinard. On va passer, petite annonce quand même de notre ami Domingo qui va chausser les crampons. Et je serai de la partie, ce sera dimanche, ouais, dimanche à 15h. Extraordinaire ça. Regardez la photo PA qui a l'air d'être à fond les ballons, comme on dit dans le milieu. Il est corpo, hein, full Adidas. Ouais, bah ouais, normal, hein, puisque c'est le sponsor. Hein. Ah bah, oh putain, je savais pas. Ouais. Merci les mecs. Petit parcours. Il a dû s'entraîner sérieusement quand même. Ah oui. Il a repris il y a quelques temps. Il s'était déjà entraîné. Mais apparemment, j'ai des insides et je vais pas tout vous dire, mais il y aura peut-être des rebondissements parce qu'apparemment il est pas au meilleur de sa forme. Il a eu un petit. Ah ouais Petite déconvenu. Petite déconvenue, il a une petite douleur. Un semi-marathon. On essaye de le cocher. Il l'a déjà fait après. Mais c'était pas en pleine bourre et tout. C'est quand même des efforts que. Non, mais ça fait quelques semaines déjà qu'il est avec son coach personnel pour afin de s'entraîner. Tu me demandes de faire un semi-marathon. Gros, je fais 400 mètres et j'y vomis mon foie. Ouais, sur après... la plage. Tiens, ça fera très débarquement d'ailleurs. Après, PA, il est affûté quand même. Tu vois, c'est genre. Il est affûté. Non, mais c'est pas le pire d'entre nous. Il avait fait combien en live déjà? Il avait fait moins de 2 heures, il avait fait 1 heure. Tu veux dire ce qu'il avait fait? Il avait fait le semi-marathon de Paris en 1h58, je crois, ou 56. Moins de 2 heures, donc ce qui est très correct, hein, pour un premier semi-marathon. Alors après, là, c'est pas vraiment un semi, puisque évidemment, c'est 19 km 44 et le but, c'est de retracer un petit peu l'histoire du débarquement, etc. Donc il va courir sur Omaha Beach? Non, c'est Utah Beach, il finit sur Utah Beach. Mais c'est assez stylé. Fais voir le visu, si vous pouvez. Ou c'est galère. Attends, okay. Un tout petit peu. Ça marche, pas de soucis. Voilà, ce sera dimanche 15h en pleine après-midi. Voilà, si vous voulez voir un mec qui en chie, apparemment, plus sympa, il va pleuvoir. Donc, il y a vraiment génial. La totale. Et nous, on sera là dans notre canapé en train de dire allez, PA, on y va. Le pire que j'avais vu de lui qui en chie, c'était quand il avait fait le vélo, là. Il avait l'air vraiment chaud. D'ailleurs, il a annoncé un autre truc de vélo qui sera le dimanche d'après, là. Donc à voir, mais. Ah, par contre, toi, tu ressors du heps sur la photo. Non, c'est bad cop, good cop. Ouais, moi, je suis le bad cop et Ponce, il est tout gentil, mais moi, je. Mal rasé et tout là. Je sors du heps. On a le tracé ou pas? Le tracé est secret et sera révélé. Oh, le reveal au grand jour. Évidemment, mais pour l'instant, c'est secret. Oh, ça va être cool. Petite, on avait vu la carte, le métro avec tous les musées. Ouais. Voilà, c'est le métro français avec tous les vins. C'est un poster que vous pouvez prendre. Évidemment, regardez la ligne Dijon-Beaune qui est magnifique. tu peux cliquer sur le lien Amazon, hein, pour le voir en plus grand. La France, elle a été étirée, mon gars. C'est normal parce que bon, il n'y avait pas la place. Ils ont rogné la Bretagne, ils ont bien fait. Hein. Il y a des régions où le vin n'est pas forcément. Ah ouais. Bon, ça coûte 22 balles si vous voulez peut-être mettre ça dans vos chiottes pour savoir un petit peu. C'est pas très beau, hein. Bah, c'est pas très beau, mais bon. En vrai, moi, j'y connais pas grand-chose en vrai vin, mais tu sais, le poster de la France ou le poster de la Map Monde dans les chiottes, ça t'aide à. Ouais, avec ça, tu mets ça et les fromages dans la même pièce, quoi. Putain, gros, tu fais la route Dijon-Lyon, là. Tu fais la route des vins. Bah, Dijon-Lyon, non, tu peux descendre jusqu'au Languedoc, hein, gros. Hein. Ouais, tu descends jusqu'au Languedoc, monter jusqu'à Bordeaux. Après, la carte n'est pas du tout à l'échelle. Hein. Beaune, c'est à côté de Dijon, c'est vraiment à 30 bornes. D'accord, hein. C'est tout est concentré dans le truc. Après, évidemment, l'alcool avec moderation, évidemment. Oui, sûr. Évidemment. Ça, on s'en fout. Non, ça, c'est pour. Ça, c'est à zapper. Par contre, ça, c'est spécial pour Erwan. Allez. Parce que Erwan, il nous l'a refaite en plus encore tout à l'heure. S'il ne dit pas digital. Et maintenant, c'est officiel. Ah, c'est officialisé. Ça a été officialisé. Voilà. Pourquoi ? Le texte de la commission d'enrichissement de la langue française, merci. Digital, a dit ça ne veut rien dire en fait. C'est juste numérique. Digital, c'est le mot anglais. Voilà, c'est l'équivalent. On parle un peu tous franglais, c'est pas très grave. On continue à dire digital. Mais le problème, c'est que le mot digital a un sens en français. En fait, quand tu dis digital, on a l'impression que tu sais pas de quoi tu parles. En plus, ça fait très. C'est un peu comme quand tu dis
tricoté alors que tu fais une passe après. Ça, je l'entends très bien. C'est vrai que tu fais bien de me corriger. Voilà. Non, c'est vrai que souvent, quand on entend digital pour des projets, ça se passe pas très bien. C'est pas non, mais ça dépend à qui tu t'adresses. Nous, tu vois, avec Farcim, on a plein d'ambitions, on a plein de trucs. Et quand on envoie des fois à des gens, on dit on veut se développer sur le digital. Les gens comprennent. Ah mais si tu dis numérique, ils comprennent aussi. Ouais, ouais, bah on dirait numérique. Non, mais d'accord. Non, c'est un tic de langage. Mais quand je dis digital, j'ai pas l'impression d'envoyer un 6 jours et ou malgré que, tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est un peu ça. Non, mais t'envoies. Je t'ai dit pour les gens. Parce que nous, on a tellement entendu. Ouais, mais vous êtes dans votre cercle. Ouvrez-vous un peu. Nous, être premier sur le digital égale le live. Du coup, on veut pas. On peut pas encore entendre ça. On peut plus s'associer avec toi, là. Je veux pas dire de conneries, mais il y avait pas un moment où Game One, le slogan, c'était un truc la chaîne de la génération digitale. Et j'étais en mode. Ouais. Ah ouais, à ce point-là, d'accord, ok. Ah, c'était ça, c'est un truc des doigts, en fait. Bon, ben, on dira plus digital, alors. Ouais. Génération digitale. Allez, on se finit par une petite dinguerie, un mec, comme ça, il s'est dit... Je suis en parapente. En parap. Parapente. Ah bah, on a raté le début, mais... Ah, il se pose dessus. Ouais. Oh, le boss. Essayez de recharger, qu'on voit le début. Bon, ça va se remettre. Ah oui, d'accord. Le problème, c'est que recharger un tic. J'y connais rien. Ouais, tu fais Oh, il est chaud! L'aigle, le condor! Oh, bah oui, c'est un oiseau, c'est un piaf le man! C'est un crack, c'est un. Je crois que c'est un champion de parapente. Hein. C'est pas... son métier? C'est son métier? Oui, oui. C'est magnifique. En c'est pas Joël Rigolo. Ouais. Hein. C'est où? On croirait Biarritz, un peu la côte. Ça, c'est dans le 16ème, je crois. Je crois que c'est. Tu reconnais? C'est dans le 16ème. C'est Montmartre! Et enfin, pour vraiment. C'est Porte de la Chapelle. Fini! Trois mecs qui se faisaient vacciner. La montagne du crack, le vaccin va beaucoup plus vite là-bas. Ouais! Ça va très vite. Donc, se finir avant le quiz, on se remet quand même. Ah, putain, donc, le quiz. On se remet quand même le petit coup franc, quoi. Non, oui, non. Espèce de connard. Et juste derrière, hop, une petite baguette. Voilà, parce mais du que coup, c'était quoi ça? C'est les héros du gazon qu'on rencontre. Il y a beaucoup de blagues sur le fait que les mecs de N2, c'est des boulangers et tout. Oh les gars, je pense qu'en National 2 au foot, il y a beaucoup de mecs qui gagnent bien plus d'oseille que les gens autour de ce plateau. Je vous le dis direct. Hein. Non, mais il y a. Je parle pas de vous, mais je parle pour les gens en général. Les gens de National 2, c'est pas des mecs. Il y a pas que des mecs qui travaillent. Il y avait que de la vanne à base de les mecs sont livreurs Uber Eats la semaine et genre, c'est le sponsor de. D'ailleurs, c'était très marrant. Par contre, ce qui est une blague, mais qui est réelle, c'est qu'il y a des mecs qui sont abonnés au stade Vélodrome, qui sont dans des groupe de supporters qu'on joue contre l'OM. Oui, parce qu'ils sont pas GG les gars et tout. C'est vrai? Ouais. Genre, c'est, en fait, c'est des. De battre par des viewers quoi. Non, mais là, c'est un peu ça. Je pense que dans les bureaux c'était de la merde, mais je pense que tous les joueurs sur le terrain cette saison, la plupart d'entre eux, je pense qu'à un moment donné ils auront des comptes à rendre un jour à Saint-Pierre pour dire qu'est-ce qui s'est passé cette saison avec l'OM. Et qu'il y a moyen qu'au lieu de te dire tu vas au paradis, t'ailles direct en enfer. Hein, parce que faire ce qu'ils font cette saison les joueurs de l'OM, ça mérite que l'enfer. Parce que là ça fait bien plusieurs mois quoi. À chaque fois qu'on entend parler de l'OM. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé cette semaine et c'était le dernier match donc, de Nasser Largué, ce match de Coupe de France. Là, il prend bien c'est le mot. Le championnat, si tu n'as quasiment plus grand-chose à espérer, peut-être accrocher une place en Europa League, il y a encore. Si tu restes en Coupe de France, ça te fait une espèce de compète où tu peux tenter des coups. Et en plus, c'est une compétition qui s'y prête. Donc tu te dis, allez, tu passes ce tour largement à ta portée sur le papier d'une N2 et derrière, le nouveau coach arrive et tu peux lui mettre un petit objectif de coupe. Ben non, même ça, ils savent pas le faire. C'est ce gag là. Mais attends, individuellement, ils puent pas la merde, les mecs. Ouais, mais après, c'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ma question, c'est comment on en arrive là? Bah après, la Coupe de France est propice à des exploits. C'est pas très grave en soi. C'est pas très grave en soi et c'est même cool. Mais là, c'est que le problème, c'est pas que l'OM perde contre une N2. C'est que l'OM perde contre une N2. Qui a joué 3 matchs depuis le mois d'octobre, c'est une catastrophe, quoi, et qui n'a pas touché le ballon quasiment de tout le match, qui a été dominé tout le match. Honnêtement, j'ai défendu certains mecs parce que le contexte marseillais est parfois bizarre, mais quand tu es contre une équipe de 4ème division, que tu touches 330 000 euros par mois, certains joueurs, voire plus, et que tu te fais marcher dessus par des mecs, et que sur une heure et demie, tu n'es pas capable d'avoir un peu de réaction avec le contexte compliqué qu'il y a, honnêtement... Marseille, ça va très vite dans un sens et dans l'autre. Là, c'est la merde terrible. Il y a un nouveau coach qui arrive. Tu gagnes ce tour de Coupe de France. Déjà, le mieux de l'OM, il doit commencer par le terrain. Arrêtons de rêver de rachat, ça se fera ou ça se fera pas, de nouveau coach, de nouveau président. Répondez sur le terrain. Et si c'est même ces gays qui sont payés pour ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. C'est terrible. Alors, le coach qui arrive, c'est un coach de poids, mais là, moi, il y a des mecs, honnêtement, que j'ai souvent défendu, comme Germain et tout, mais au bout d'un moment, va jouer dans des clubs tranquilles, et puis là, va jouer à Bordeaux, et tu n'es pas fait pour jouer à l'OM, point barre. Voilà. Au Valère.
Mais il n'y a pas que Marseille non, qui a été battu par des clubs qu'on n'attendait pas. Non, mais historiquement, il y a eu plein d'exploits. Non, mais je veux dire, sur cette coupe, il y a le Puy qui a battu Lorient. Le Puy en Vélez, ouais, le Puy en Vélez qui a battu Lorient. Le Puy du Fou, c'était des mecs en chevalier. ils ont arraché tout le monde sur le terrain. Waouh! En garde! Ils ont lâché un faucon, il était pas hors jeu et il est venu couper au premier poteau. En garde, non, mais la Coupe de France, ça a toujours été une surprise. C'est pour ça que cette compétition, elle est folle. Mais là, pour revenir au cas de l'OM, c'est grave. Tu sens que les mecs n'ont plus d'amour propre, n'ont plus envie, ne sont plus concernés. Tu ne respectes pas le club et même eux ne se respectent plus. Bon courage au nouveau coach. Tu l'as regardé ce match? Non, c'était sur Eurosport, donc j'ai vu des longs résumés. Ensuite sur YouTube et j'ai lu plein de retours et je suis content de pas l'avoir vu, mais honnêtement sur Twitter j'imagine ça t'a tagué pas mal. J'ai 38 ans, il y a eu plein de crises à l'OM, il y a eu plein de grands moments aussi. Honnêtement, j'ai rarement eu autant de dégoût pour une équipe de l'OM comme ça, vraiment. Mais je suis pas, ils sont écœurants parce que perdre c'est quelque chose, mais il y a un moment donné montrer un peu de d'envie un peu, non mais un peu de fierté, tu vois, un bout d'un moment t'es pas bon mais sois dur, fais quelque chose. Là ils sont des victimes, mon frère, des victimes. Donc voilà, les mots sont durs, mais ils sont dit. Ils sont écœurants, mais je pense que c'est les premiers à le sort. Mais t'inquiète, ils encaissent 300 000 par mois, ils ont bien négocié sur Rudy Garcia avec Héros, ils ont pris tout ce qu'il fallait chacun, donc on va pas non plus les blâmer. Pas mal en vrai, 300 000 par mois. Tu prends 300 000, tu te fais marcher dessus par des boulangers qui sont à mi-temps. Te faire foutre. On va te détendre, on va passer à autre chose, on va répondre à des questions. J'espère qu'en plus, il y aura les exploits de la Coupe de France. Les exploits de l'OM, feuille blanche. Oh non. Trigger. On reste quand même le plus grand club français de l'histoire. Le trigger facile. C'était très simple. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue en ce beau mardi de quiz. Bien sûr, aujourd'hui, vous avez des buzzers. Nous allons, comme d'habitude... Oh, bien joué, Xari. C'est juste pour tester. C'est non. On va bien sûr vous déterminer l'ordre. C'est bon, on a compris que ça marchait. On va déterminer l'ordre très rapide. Fais attention. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, je désactive le tien pour cette tournée. On est parti. Question rapidité. Avez-vous suivi l'émission? Combien? 614 000. Ça aurait été ouf. Mais non, ce n'est pas ça. Combien de kilomètres va courir Domingo pour son semi-marathon? 19,44. C'est une bonne réponse. Yes, évidemment. Un conseil aujourd'hui, les gars, laissez gagner Erwan. Il nous pète la gueule. Parce que très honnêtement, il y a une bande de bikers qui attendent encore en bas. Je suis pas boulanger, mais j'arrive un faux fil à chaque fois. Deuxième question. Quelle était la toute, d'après ses dires, première console de Erwan? La NES. Ah non, la mienne à moi, j'ai dit que j'ai joué chez l'Atari 2600. Non, 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 c'est ce que t'as dit, la première console. J'ai la balle, j'ai la balle, il a dit l'Atari. Alors, la première console à laquelle j'ai joué, c'est celle de mon cousin et mes parents. Mais non, c'est faux, archi faux. Ma première console à moi, le clip, je veux le clip. Elle était à mon cousin, mais demande au chat, elle était à mon cousin. Elle était à mon cousin. Tout à l'heure, t'as dit la première console que j'ai eu. J'ai même raconté l'histoire de la première console qu'on m'a achetée, c'est la NES. Je sais quand même la première console, c'est moi qui réponds. J'avoue que j'étais quand même en train de refuser. C'est l'histoire de ma vie que tu refuses. Bah je refuse, mais c'est l'histoire de ma vie. J'accepte parce que... Non, Gigi, tu as tort apparemment. Voilà, tu mets la peine. Non, t'as transpiré tout. C'est la première console de ton cousin. Moi, la première que j'ai eu, moi, oui, que mes parents m'ont acheté, qui était à moi, ma console à moi. Ma console. T'as de la chance. T'as débranché la télé. Gildan. Excuse-moi, j'ai débranché la télé. Je sais pas comment on la rallume. Ah oui, mais je vais brancher surtout. J'ai mis un énorme coup de latte. Mais c'est vrai que normalement, tu connais mieux ta vie. On va enchaîner. Attends, mais du coup, c'est bon, donne-lui le point, non? Ah. Et merde. François Hollande. Bonne réponse. Quel invité était dans l'émission de Samuel Etienne hier? La tentative est réussie. Non, on avait dit qu'on attendait la fin de l'émission. Attends, j'ai pas compris. C'était qui contre connard? On est en tout. Ah bon? J'ai même pas écouté. Ah ouais. Mais c'est un scandale. On va céder. Bah dis donc. Il y a juste un HDMI à remettre, gros. Hein. Mais c'est bon. Ok, Mario Bros. Le plombier, mon frère. Aucun rapport. Aucun rapport toujours. Aucun rapport Mario Bros. N'a rien. Qu'on apporte une casquette. C'est, ça, du va coup, ça va aller, HDMI, ouais. Mais c'est quoi, fais le quiz, hein, il va se débrouiller. Non, mais je regarde, je voulais savoir s'il connaissait, enfin, à quoi ça ressemble le HDMI. Allez, on enchaîne directement, mesdames et messieurs. Qui est le premier à choisir? C'est bien entendu Makushi Loudan. C'est vrai, mais c'est quoi les sujets? On va les afficher. Ah, merci. Putain de merde. Vous avez reçu quelque chose en régie? Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un prank. Attention.
C'est parti. Non mais c'est pas normal, Erwan, là. Maintenant. Ah, les stats. Ah, c'est vrai qu'on a les stats. Alors Erwan, tu es au milieu, hein, faut le savoir. Erwan, il voit rien. Très bon, hein, ce que tu me fais. Xari qui est premier à 15-6 de moyenne, meilleur score 18-12 pour le meilleur round. C'est bon. Il sort la lampe torche. Non, allez, on meuble. Ah, vous avez des stats, en tout cas. Max qui est deuxième, ça n'a toujours pas bougé. Erwan qui est en remontada. Erwan qui détient deux records ici, puisque tu as le meilleur score avec 20. Ce qui est sur le rap hip-hop, là. Ce qui est énormissime. Ce qui est hallucinant. C'est le maximum. Non, c'est 30 points le maximum. Si tu fais un perfect. Ah, oui. Bah, tu fais une électrique 10 fois 2, ça fait 20 et 10. Ah, total. Ah, bah, total. C'est le meilleur score d'une séance. Donc là, forcément, 20 points. Un coup de chaud, là. Hugo qui a 18. Heureusement, Jumpé vient le mettre bien. Heureusement qu'il est là, la dernière. Bah, il a participé deux fois au quiz, donc ça Jumpé fait. À la fin de la saison, il aura le prix du fair play. Oui, c'est vrai. Il vient, je sais pas pour remplacer et récupérer le truc, mais bon. On a les sujets qui vont s'afficher dans quelques instants. Maxime Dan, je vais vous les donner à l'oral, bien entendu. Adaptation de livres en film. Les consoles portables Sony. Contes et fables. Oula. Humoriste francophone. Oh, les Jeux Olympiques, non, il va les me baiser. Prix Nobel. Oh, il est bon, lui. Conquérant et grande bataille. Wow. Les Jeux Olympiques. Et le quiz mystère. D'hiver ou que d'été? De toute façon, je suis une salope. Les Jeux Olympiques, tu vas me dire. Les Jeux Olympiques. Très bien. Max Hildan. En vrai, les consoles portables Sony, il y en a deux. C'est genre. Ah ouais, c'est. D'ailleurs, il y a deux questions. Femme olympique. Humoriste francophone. Il m'a baisé. Oh, bâtard. On va le tenter, hein. Est-ce que tu veux utiliser. Tu te striques la gueule ou pas? Bah oui. Ouais. Il y a Tony Saint-Laurent, c'est pas un vrai questionnaire. En tout cas, il y aura peut-être du rire, du rock. On va voir. Il utilise sa strip 90 secondes. Humoriste francophone pour Max Hildan. Pop. 3, 2, 1, c'est parti. Quelle station de radio française diffuse régulièrement des sketchs français entrecoupés de breaks musicaux? Rire et chanson. C'est une bonne réponse. Quel humoriste a-t-on pu entendre chanter les chansons Vivre dans un donjon, petit oiseau, si tu n'as pas d'aile? C'est une bonne réponse. Comment s'appelait l'émission de Jamel Debbouze mettant en avant des jeunes comiques de stand-up? Jamel Comedy Club. C'est une bonne réponse. Quel humoriste chauve connu pour ses imitations peut-on entendre régulièrement sur la radio Europe 1? Canteloup. C'est une bonne réponse. Comment s'appelait la troupe d'humoristes composée de Jean Dujardin, Bruno Salomon et Manu Joucla? Oh, tu l'as. Pour la strique, prends ton temps. Je dis une connerie. Jean Dujardin, Bruno Salomon. Et nous, c'est nous. Pardon? Nous, c'est nous. C'est une bonne réponse. Comment s'appelle la série humoristique diffusée sur M6 dans laquelle Kev Adams incarne un adolescent? Vas-y. Oh, comment, man. Soda. C'est une bonne réponse. Quel duo d'humoristes? Ouais, c'est bien vu. Quel duo d'humoristes a créé le faux jeu télévisé Camoulox? Kad et Olivier. C'est une bonne réponse. Comment s'appelle le dernier spectacle de Anne Roumanoff? Oh, le bâtard. Sorti en DVD en 2018. Celui-là, il est... Un truc genre en rouge et noir ou un truc comme ça. Ouais, je sais pas. C'est pas ça. Oh, le bâtard. Donc, à l'émission de télévision, a-t-on pu voir pour la première fois le personnage de Brice Denis incarné par Jean Dujardin? Ah, c'était la graine de star. C'est une bonne réponse. Lors de quelle émission de radio l'humoriste Pierre Desproges a-t-il prononcé la phrase « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde » Je ne sais pas. Et on revient avec comment s'appelle le dernier spectacle de Anne Roumanoff? Non, j'ai pas. C'était Tout va bien. Et la dernière émission. C'était Jacques Martin, non? C'était quoi l'émission? C'était Le tribunal des flagrants délires. Ah ouais, celle-là, elle était dure. Elle était dure. Par contre, le grain de star, t'allais le chercher, tu m'as régalé. Facile. Non, grain de star, en vrai, ça va. Il est easy de ouf, le questionnaire. Mais là, on n'a pas le droit de féliciter un candidat maintenant. Ça va aller. T'arrives pas à mettre un port HDMI, il me parle pas. La vérité, c'est que j'ai 31 ans et que je l'ai vu cette émission, en fait. D'accord. Moi, je l'avais pas, je suis pour ça. Il est désolé. Je suis désolé. J'ai voulu le sucer un peu. Bon, je te laisse le bout. Oh, c'est gentil. On peut rien faire. Tu nous fais un plus 5 sur cette streak, puisque tu nous fais 7-8 points plus 5, ce qui nous fait 13 points, ce qui était énormissime. Tu peux aller chercher le record. Tu peux au moins l'égaler. Oui. Tu peux au moins l'égaler. On enchaîne avec. Avec moi. Avec toi, c'est vrai. Ah oui, mais ouais. La NES, ma première console. Comment, man. J'avais oublié. Comment, man. Pour moi, c'était l'Atari. Mais bon. L'Atari à mon cousin, la NES à moi. J'ai compris l'Atari aussi. Revois un peu ta vie. Alors, tu veux partir sur quoi? Il y a plein de trucs qui peuvent t'aller. Jeux Olympiques. Jeux Olympiques. Quand même. Jeux Olympiques. C'est quelqu'un qui va pas trop aller sur les jeux d'hiver. Il se strique la gueule. Alors, on a lundi cette semaine, Étienne. Voilà, Étienne. Ah. Étienne, sur ton quiz sur les humoristes, il avait fait. Ah oui, t'étais pas là, toi, sur les indices. T'as pas connu. En gros, normalement, Menro, il fait en off les quiz et on met un petit indice Menro pour savoir la jauger un peu la difficulté. Étienne, sur les humoristes, il avait fait 7 sur 10. Tu l'as massacré. Et du coup, sur les Jeux Olympiques, Étienne est réputé sportif, il a fait 4 sur 10. on prend la streak Évidemment. Oh, allez. On se strique la gueule. On se strique. Strique-moi la gueule, s'il te plaît. 3, 2, 1, c'est parti.
que représentent les anneaux sur le logo des Jeux les Olympiques? Cinq continents. C'est une bonne réponse. Bon, de quel pays antique provient la tradition? La Grèce. C'est une bonne réponse. Quel nageur américain détient le record de médaille d'or? Michael Phelps. C'est une bonne réponse. Quel patineur artistique français a obtenu la médaille de bronze aux Jeux Olympiques? Ryan Joubert. C'est une mauvaise réponse. Dans la cérémonie d'ouverture des JO de Londres, quel acteur accompagnait la reine d'Angleterre dans son entrée en scène? Pierre Brosnan. C'est une mauvaise réponse. Aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, quelle épreuve de plongeon a été rajoutée? Le duo. C'est une mauvaise réponse. Où se dérouleront les Jeux Olympiques d'hiver en 2022? Je sais pas. Le 14 octobre 1968, quel athlète devient le premier sprinteur olympique à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes? En 68? Oui. Je sais pas. Oh, au trampoline, comment appelle-t-on le saut vertical simple qui permet aux trampolinistes de... Je sais pas, Quelles sont les 5 épreuves de pentathlon moderne? Oh la vache! Le tir, la course, le cheval. Oui, il en manque 2. L'escrime. Oui. Et après, je sais plus. Petite nage. La natation, allez. Ouais, c'est une bonne réponse. Let's go. Quel patineur artistique français a obtenu la médaille de bronze aux Jeux Olympiques? Wendell Pendel. C'est une mauvaise réponse. C'était Philippe Candeloro. Ah, dans la cérémonie ouverture des JO de Londres, quel acteur accompagnait la reine d'Angleterre? Idriss Elba. C'était Daniel Craig. Aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, quelle épreuve de plongeon a été rajoutée? Ils n'ont pas respecté les Jeux Olympiques. Je suis désolé. Il était dur. Il n'a pas respecté les Jeux Olympiques. Il y a des trucs bien plus cool à faire. Coup dur. C'était dur. Plongeon, les gars. On aime le sport. Pas de bashing. Laissez-le gagner. On va retourner. Non, mais attends. On aime le sport ou pas? Remets-lui 2 points. Après, non. Par contre, je tiens à dire, parce que c'est vrai qu'on la semaine dernière, il n'était pas là. Il y avait quiz football. Je lui ai fait faire en off. 10 sur 10. Non mais voilà, c'est pour sûr. Trampoline, pentathlon, patinage artistique, merde. C'est qui en 68? En 68, c'était Jim Hines ou Ins, je ne sais pas comment on dit. Chaud, hein. c'était les très JO d'hiver en 2022, c'est à Pékin. Ah ça j'ai pas. La nage était Pékin, ils font été hiver? Je sais pas. Oh. Non. Quoi? À Pékin, il y a déjà eu les Jeux Olympiques à Pékin, mais... À Pékin, il y a Beijing, il y a eu les Jeux d'été, là, ils font les Jeux d'hiver. Bah, apparemment, écoutez, c'est... Ils peuvent tout faire, hein. Pas moi qui m'en occupe. Pas cool, c'est David, là. Ouais, c'est David. Pas merci, David. Le plongeon qui a été rajouté, c'était plongeon synchronisé. Le trampoline, c'était... Je dis duo, c'est à deux. Bon, bref. Ah, tu veux qu'on la prenne? Quand je dis. Bah, c'est moi, je tu dis. Tu pensais synchroniser? Mais en fait, quand je dis à deux duos, c'est forcément, il y en a pas un qui va faire une bombe. C'est pas exact. C'est pas. Et tu as dit Pierre Brosnan. Non. Vu la difficulté, je te mets le point. Parce qu'il y avait. Non, franchement, vu la difficulté. Parce que quand je dis duo, c'est forcément pour que ça soit ensemble. Bien sûr, il n'y a pas de. Ah, mais c'est bon, on te l'accorde. Par contre, Candeloro, c'est dommage, je pensais que tu le. Non, parce que même sur la deuxième fois, il m'a donné un autre. Non, mais Gondal, le truc, il est en duo avec sa meuf. Et Brian Joubert, je sais pas pourquoi, c'est. Bref. Allez, bon, on va donner. Allez, ça fait combien du coup? 4. Ça fait 3. Et 1. Ça fait 4. Avec le plongeon duo, voilà. Trampoline. Trampoline, c'était la chandelle. David, qui connaît le trampoline? Ça fait 5. Tu peux répéter le. Les 5 épreuves du pentathlon, tu nous as donné. Répéter le trampoline. Une notation 5 points pour. Tu peux répéter la question du trampoline? Au trampoline, comment appelle-t-on le saut vertical simple qui permet au trampoliniste de prendre de la hauteur avant son exercice? Tu l'as jamais fait au collège? Non, mais du coup, j'ai pas écouté. C'est la chandelle. C'est le truc de base, quoi. Non. C'est le truc où il fait juste ça. Après, oui. Non, mais c'était trop dur. Hein, gros. J'aurais c'est bien d'avoir des questions. Ah, oui. C'est sur le sport, ça c'est juste que tu t'attendais à un truc, ça t'a fait mal. Non, mais quiz mystère. On parle des choses 68. Vrai, tu prends quoi? Parle-moi le quiz mystère. Bah, gros, c'est. Ah là là, le quiz mystère. Bien entendu, ma spéciale. Nous sommes dans une période propice à tout cela. Aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire un quiz mystère qui se nomme Speedrun. Autour des clébards. Mais je l'ai déjà vu. C'est pour Hugo normalement ça. J'avais envie de le refaire. Sauf que le mot chien est remplacé par Klebs ou clébard dans les questions. Oh, je rigole d'avance. Mais je l'ai déjà eu la dernière fois, j'ai fait 3. C'est bon, tu connais les Klebs. Cette fois-ci, c'est moi qui l'ai écrit la dernière fois. Cocker, tout ça. Si, je crois que c'était le truc de mystère. Non, le truc des chiens, je n'étais pas là. C'était. Non, c'est moi qui posais les questions. C'est lui qui posait les questions. Ouais, mais c'était que je me suis jamais connu. Autour des clébards pour le lore, évidemment, on embrasse tous les joueurs. Regarde, pas de stick. Bah non. Oh l'erreur, il fait pas de stick. Bon, c'est pas grave. Mais c'est trop dur, gros. Dommage, tu aurais fait 10. 3, 2, 1, c'est parti. De qui Milou est-il le Klebs? De Tintin. C'est une bonne réponse. Comment s'appelle le clébard de Maxime Dan? Ragnar. C'est une bonne réponse. Citer au moins une race de clébard utilisée généralement par la police. Les berges allemands. Bon, c'est une bonne réponse. De quelle race est le Klebs du film Beethoven?
À Saint-Bernard. C'est une bonne réponse. Comment s'appelle la méchante dans les 101 Dalmatiens? Cruella. C'est une bonne réponse. Dur, quelle hein race de clébard est la plus petite au monde? Le chihuahua. C'est une bonne réponse. Quelle est la moyenne de vie d'un klebs? 7 ans. C'est une mauvaise réponse. Ouais. Pour les chiots avec pédigré qui naissent en 2021, par quelle lettre doit commencer leur prénom? S. C'est une bonne réponse. En jour, quelle est la période de gestation d'un clébard? 6 mois. Ah, un jour. Non, c'est totalement une mauvaise réponse. Idée, comment s'appelait ce clébard de race Akita Inu, célèbre au Japon pour avoir attendu quotidiennement et pendant près de 10 ans son maître à la gare de Shibuya après la mort de ce dernier? C'est le nom du clébard. Le nom du clébard. J'ai inversé, sinon c'est trop facile. Ouais. C'est pour ça que c'est la dernière. Tu ne l'as pas? Ok. Quelle est la moyenne de vie dans Klebs? Allez, 10 ans. C'est entre 10 et 13 ans, c'est une bonne réponse. En jour, quelle est la période de gestation d'un clébard? Allez, 200 jours. C'était entre 58 et 68 jours. Ah ouais, putain, c'est tellement rapide. Ça baisse, ça sort automatiquement. Comment s'appelle ce Klebs de race Akita Inu à Shibuya, la statue? Shiba, le petit. Hachiko. Hachiko, qui était un Akita Inu. Donc, tu vois, honnêtement, quiz. Oh, ça va. À la portée de tout. Non, mais parce que les races et tout, j'y connais rien. Mais là, ça va. Je sais. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu en tout mettre. Mais en vrai, il a pas strict. Il aurait fait que plus 3. C'était plutôt Klebar célèbre. Il a loupé un. Plutôt Klebar célèbre. Clébard semi-célèbre, il y a de tout, les chiens policiers aussi que j'ai placés. Bon, en tout cas, je voulais faire une petite dédicace à tous les clubs. Pas de patrouille. Est-ce que vous avez le nom du premier chien dans l'espace? Ah, Laika. Laika. Très bien, Laika. Petite question subsidiaire pour étaler mon savoir. Après ces Jeux Olympiques catastrophiques. Allez, Hugo. J'ai envie de passer à autre chose. C'est à toi, Hugo. Il me fume. Je vais faire concurrence. PSP. Hugo. PSP. Il n'y aura que des questions sur la PSP. En gros, ça, c'est incroyable. Les consoles portables Sony. Non, mais c'est peut-être les jeux. Mais à mon avis, en fait, quand on va demander le format des disques ou des trucs comme ça, c'est easy. Je me reconnais en toi parce qu'au début, j'étais fort au quiz parce qu'il y avait jeux vidéo à chaque fois et c'était simple. Sauf qu'après, il faut trouver des questions plus dures et après, tu te fais baisser. C'est la vidéo, la dernière fois, par exemple, sur le rap, sur d'autres choses, moi je suis pas allé sur la je suis pas que le sport. Mais il sait, David. Il sait, David, que t'es chaud en sport, donc là, Là, David, il doit niquer son plaisir, je pense. Merci, parce que. Tu me parles d'heptathlon, de trampoline, déjà, tu m'as perdu. Je l'aurais pris. Moi aussi. C'était Kata aussi. Après, ça fait partie du strict. Il se strict, celui-ci? Strict. Allez, on se strict. 90 secondes, la régie est très chaude. Tu peux jouer aussi chez toi. 3, 2, 1, c'est parti. Que signifie l'acronyme PSP? PlayStation Portable. Moi, c'est une bonne réponse. Comment s'appelait le format de disque des jeux PSP? Universal Media Disc. Ouais, UMD, c'est une bonne réponse. Oh, le flexeur. Quel spin-off de la série Final Fantasy sorti sur les consoles portables Sony proposait des combats en arène en 1 contre 1? Tu l'as! Crisis Core. C'est pas. Citer un des jeux de la saga Metal Gear étant sorti sur PSP. Oh! Vas-y, passe, je reviendrai. Dans quel jeu doit-on diriger une tribu de petits êtres à l'aide de tambours? Patapon. Oh, c'est une bonne réponse. Dans quel jeu sorti sur PS Vita incarne-t-on Kat, une jeune fille faisant la rencontre d'un chat noir qui va lui donner le pouvoir de contrôler la gravité? Gravity Rush. C'est une bonne réponse. Comment s'appelle le jeu de la licence Uncharted sorti exclusivement sur PS Vita? Non. Oh, c'est bâtard, ça. C'est dur, hein. Passe, je sais pas. Comment s'appelle le jeu de la licence Silent Hill paru exclusivement sur la PS Vita? Oh, je crois que tu l'as. Bah, je l'ai oublié parce que c'est à chier. Non, je sais pas. Mémoire, c'est dommage. Comment s'appellent les créatures noires servant d'antagonistes dans le jeu Loco Roco? Oh la vache! Les Schtroumpfs. Oh. C'est très dur. Non, je sais pas. Quel était le nom de code de la PS Vita? Voilà. Oh. Ouais, c'est dur. C'est dur. Il reste une seconde. V à tous les motards. PSP2. Allez, quel spin-off? quel spin-off de la série Final Fantasy était sorti? C'est pas Crisis Core? Bah, je sais plus, gros. Aïe, aïe, aïe. C'était un des jeux de la saga Metal Gear sorti sur PSP? Portable Ops. Je le prends la ligne, c'est bon. Il est bon. Ops, exactement. Il y a Metal Gear Acid 1 et 2, Metal Gear Solid, Peace Walker. Ouais, Peace Walker, c'est celui-là que je voulais de base. Alors le jeu Final Fantasy, c'était Dissidia. Jeu de combat. Je l'aurais pas eu du coup. D'accord. Aucun regret. Patapon, tu l'as eu. Gravity Rush, tu l'as eu. C'était pour le jeu Uncharted, c'est Uncharted Golden Abyss. Okay. Silent Hill, c'était Book of Memories. Book of Memories, de la merde. Un petit trou de mémoire. Les créatures dans le Kuroko, c'était les Moja. Ah ouais, dur. Aucun regret. Et le nom de code de la PS Vita, pardon, c'était la NGP, donc la Next Generation Portable. Ok. Voilà, Next Generation. Et ça, je ne savais pas du coup.
Eh bien, je crois que tu fais 5 hein, au final. Pas facile. 3, 4, 5, 5 c'est points. C'est dur en ce moment. Ouais. Pas évident. 5 points, c'est pas contre, évident. Par contre, ce qui reste là... Les streaks hein, qui ont eu mal au final, il n'y a que Maxildan qui s'en sort et Xari qui a gardé sa streak. Je pense que tomber sur humoriste francophone, c'était le bon... C'était le bon bail, ouais. C'était le bon bail. Le bon bail, on est d'accord. Max, c'est à toi. C'est à toi, tu il choisis. Il reste quoi, prix Nobel? Il y a Xari, non? Non, moi j'ai déjà fait, les clébards. Lui, il est en contestable. Ce mot, il me fume. Adaptation de film. Alors, il reste Conquérant et Grande Bataille. Manro est venu me voir, ils n'avaient pas fini le quiz, ils en avaient écrit 9 questions et il avait fait 9 sur 9. Donc, il était un joueur. Conquérant temps, et Grande Bataille. Il a vécu lui-même ses batailles. Donc, on le rappelle. Conquérant, les prix Nobel. On a Comptez Fable aussi, ça c'est vraiment pas mal. Et adaptation de livre en film qui peut être assez sympa. Je vais faire adaptation de livre en film. Pour Max, je pense que c'était le pire. Oh là 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 là. Non, je les ai pas lus. Je pense que pour Max, c'est mieux. Oh là là, c'est mieux. Etienne. Etienne, homme de culture, 4 sur 10 dessus aussi. L'indice. Etienne, il a 20 ans. Gros. Normalement, il a un peu de culture ciné. Il est jeune. 3-2, c'est parti. Quelle saga littéraire adaptée au cinéma? Paul, casse-toi du runner. Les aventures d'un jeune sorcier à l'école de magie Poudlard. Harry Potter, c'est une bonne réponse. Quel film de Christopher Nolan, adapté d'un roman de Christopher Priest, raconte la rivalité entre deux magiciens? Ah putain oui, le Prestige. C'est une bonne réponse. Dans quel film sorti en 1991 et adapté de livre de Thomas Harris peut-on voir le personnage fictif de Hannibal Lecter interprété... Silence des agneaux. C'est une bonne réponse. Qui interprète Willy Wonka dans l'adaptation de Charlie et la chocolaterie réalisée par Tim Burton? Et c'est Johnny Depp. Oui, c'est une bonne réponse. Quel film adapté d'un roman de Bret Easton Ellis raconte l'histoire de Patrick Batman, un riche conseiller en gestion de patrimoine devenant psychopathe et violent? Je crois que t'es tombé sur la question inverse il y a la semaine dernière, ouais, où t'avais pas su répondre. Ben ouais, c'est hallucinant. Ouais, Patrick Bateman, il régale Patrick Bateman. Je l'ai pas, vas-y. Instinct, m'en balique, j'ai pas. Tu l'as pas? C'est dommage. Qui est l'auteur des romans Shining, Ça et La Ligne Verte adaptés au cinéma? Comment ça? Stephen King. Ça, c'est une bonne réponse. Comment s'appelle le film de Ridley Scott adapté du livre Les androïdes reptiles de moutons électriques? Pardon? Ridley Scott, très connu, mais oui, il faut oui, avoir oui, la. Oui, oui. Robot. C'est une mauvaise réponse. Non. Qui est l'auteur de la saga Hunger Games adaptée au cinéma en 2012? Qui est l'auteur? Ouais, l'auteur. Frédéric c'est Fental. Très très dur. Fin du game. Qui a réalisé le film Shutter Island adapté du roman de Dennis Lehan? Oh, je suis une salope. Ah, si tu l'as. Ça, on l'a. Ah, je l'ai. Ah, tu cherches. Allez, non, je l'ai pas. C'était Martin Scorsese. T'aurais dû tenter un au pif. Ouais, mais je tous les noms qui me venaient, j'étais en mode non, c'est pas ça. C'est alors, qui a écrit à votre avis Hunger Games? Ah non, j'ai pas. Le j'aime au cœur. C'est Suzy, c'est Suzanne Collins. Suzanne Lenglen. Suzy. Autant J.K. Rowling, on a entendu son nom, autant. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? C'était. Non, c'est Blade Runner. Blade Runner. Ah ouais, c'est ça. Shining Sai, la ligne verte, tu me l'avais donné. C'était bon. Alors. Ça, Bateman, ça. American Psycho. Oui, on a mais eu la semaine dernière, quand on est sur, je sais plus quel sujet, où c'était le contraire, genre dans American Psycho. Enfin bon, bref, il s'est fait baiser. Juste que j'ai toujours pas vu ce film. Du coup, tu nous fais un. Et la dernière question que t'as pas eu le temps de faire, donc c'est comment s'appelle l'auteur du roman Au revoir là-haut, adapté au cinéma par Albert Dupontel? Ah oui. C'était Pierre le Maître. Non. Évidemment. Ouais. On ne l'avait pas. Du coup, tu nous fais un 5 honorables, ce qui fait 18 pour Maxildan. C'est dur. Hein. Qui trust le haut du tableau ici. Très très bon. On va enchaîner avec Erwan. C'est à toi. C'est bon, c'est pour toi. Ce sera donc le prix Nobel. Je prends les conquérants. Et les grandes batailles. Putain, je voulais les conquérants. Tu as fait 5 tout à l'heure. Je suis bien, moi. Pas de streak ici. Bah, j'en ai utilisé. Je crois que t'es sur un petit compte et oui, oui, je sais. Mais sur un 0 surtout. Tu peux pas aller chercher la première place, mais tu peux te battre pour les stats. On est bon. Dur. 90 secondes, 3, 2, 1, c'est parti. Quelle femme française d'origine paysanne surnommée la Pucelle d'Orléans? Jeanne d'Arc. C'est une bonne réponse. Au Moyen-Âge, comment appelait-on les expéditions militaires organisées pour pouvoir mener le pèlerinage des chrétiens en Terre Sainte? Les... putain. Non. Pas du tout. Ah, je sais plus, j'ai envie de revenir. Qui menait le peuple gaulois face à Jules César pendant le siège d'Alésia? Clovis. Les Gaulois. Quelle est la dernière bataille à laquelle a pris part Napoléon Ier, se terminant sur une défaite cuisante? Waterloo. C'est une bonne réponse. Quel roi de Macédoine est devenu l'un des plus grands conquérants de l'histoire en prenant possession de l'Égypte, de l'immense empire perse? Alexandre the Big. The Tall. Qui dirigeait les troupes françaises au moment de la bataille de Poitiers en 732? Charles Martel. C'est une bonne réponse. En 445, qui devient le grand chef des Huns
conquérant de l'Europe? Non, j'ai pas ça. Come on. Oh. Quel duc de Normandie a conquis une grande partie de l'Angleterre en 11e Guillaume. Siècle? Guillaume, Guigui comme on l'appelle. Quelle bataille est représentée dans le film 300 de Zack Snyder? Snyder. Ah putain, c'est la bataille de... Allez, vas-y. Pas, non, j'ai pas. Allez, c'est pas grave. En 923, quelle bataille a opposé Charles III au roi Hubert Ier? C'est pas grave. Qui menait le peuple gaulois face à Jules César pendant le siège d'Alésia? Oui, oui, oui. Version de Torix. Oui, oui, bon, oui. Au Moyen-Âge, comment appelait-on les expéditions militaires organisées pour pouvoir mener le pèlerinage des chrétiens? C'était les croisades. Les croisades. Les croisades. Les croisades. Les croisades. À coup dur, là. À coup dur. Bah, à coup dur, non. Écoute, je, non. À part les croisades, où j'ai un petit regret, j'aurais fait 7, mais je fais beaucoup mieux que sur les Jeux Olympiques. Donc, pour c'est vrai, c'est, bien, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, vers Serge Torix, t'es allé chercher Waterloo, les Alexandre le Grand. Charles Martel, c'est bon. Les 1. T'as raté les croisades. Attila, le 1. Attila, c'était OK. C'était OK. 7-8. Moi, je pense que je faisais 7. Je faisais 7. Par contre, un peu plus difficile, en effet, les deux dernières. La bataille dans 300, c'est la bataille de... Bah c'est, je sais pas, c'est contre Xerxès, mais ouais, c'est quoi mais là ça, c'est un nom, ça c'est la bataille... Attends, des... C'est Xerxès contre les Spartes, quoi, des mais... Des Thermopyles. Des terres anciennes, ouais, j'ai... Des bataille Thermopyles. Des Thermopyles, ouais. Bien sûr. Et la dernière bataille, Charles III face à Robert Ier, fight... Club. Azincourt. La bataille des Soissons. Wow. Des Soissons, ouais, des Soissons, bah, deux Soissons pardon, excuse-moi. Ouais. Oh, non, il y avait plusieurs. Des Soissons, des Soissons. Les croisades, je suis grave moi. Parce que si je fais combien 6. Là, t'es à, tu nous fais un 6, je pense. 6. Donc je fais 7 avec les croisades, putain, tu vois si j'avais fait 6. 6, 6, c'est dommage. On est quatre ce soir. Petite forme, mais tu reviendras. Honnêtement, je pense pas être. Souvent, je suis frustré parce que des fois, j'ai les trucs où je bloque et tout. Là, honnêtement, je. À part les croisades où je fais 7, le reste pour moi, il y a pas. Après, c'est archi dur. Tu préfères quoi, mec? Parce que là... Xavier... Je pue En fait, les prix Nobel, j'en connais deux, quoi. Donc, à partir de là, on va pas aller loin. Bah, Comté Fable, j'en connais deux. Bah, je vais prendre Comté Fable, alors. Eh bien, voilà. Prix Nobel, tant qu'on est... Y en a Marie un, Curie, là. Marie Curie, mec. Marie Curie, ok. Pierre et Marie Curie? Pierre et Marie Curie. Ça marche. Ok. Étienne, Comté Fable, 7 sur 10. Oh, mais Comté Fable, je... Ah, c'est... Oh, c'est que... Ça dépend. Étienne, c'est un poète. Non, ça va le faire. Étienne quoi? C'est un poète, Étienne. Ah oui, c'est un poète. Il tricote. Attends, mais Comté Fable, gros, ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais, Zary, mais tu vas Zary, avoir tous les classiques. Attention, tu vois, t'as streak, Zary, hein. On le rappelle. Hein. Ouais, c'est ouais, le seul de, à qui par défaut, streak. Par défaut, c'est vrai. Tout est... Non, il a sa streak. 3, 2, 1. Quel poète français est célèbre pour ses fables contenant des animaux? Bien joué. La Fontaine. Putain, c'est une bonne réponse, mec. Quelle princesse est aidée de 7 nains? Dans un Blanche-Neige. Conte. Bien c'est joué. Pitch. Dans quel conte une jeune fille se transforme en princesse avec l'aide de sa marraine la bonne fée pour s'introduire dans un gala? Cendrillon. Mais c'est une bonne réponse. Dans quel conte allemand deux enfants abandonnés par leurs parents? Hansel et Gretel. C'est une bonne réponse. Dans quel recueil anonyme de contes populaires d'origine persane, indienne et arabe? Les Mille et une nuits. C'est une bonne réponse. Quel personnage d'un conte des frères Grimm s'introduit dans une maison appartenant à une famille d'ours? Boucle d'or. C'est une bonne réponse. Dans quel conte un grand homme assassine-t-il ses femmes les unes après les autres parce qu'elles ont pénétré dans une pièce secrète fermée à clé? J'ai pas. C'était pas évident celui-là. Selon une légende allemande, dans quelle ville un joueur de flûte aurait chassé... Brême. Les... Comment? Brême. Non, c'est une mauvaise réponse. Qui est l'auteur des contes Le Petit Poucet et Le Petit Chaperon Rouge? Merde. Grimaud? Gueluc. Oh non, c'est mauvaise réponse. Dans quel conte peut-on voir une jeune princesse demander à son père des robes irréalisables, robes couleur de temps, puis une robe couleur de lune? Oh là, j'ai pas. Ouais, ça, c'est pas évident. Selon une légende allemande, dans quelle ville un joueur de flûte aurait chassé les rats, putain, puis aurait attiré et caché les enfants? Non, mais je vois, mais je sais. La ville, ouais, tu vois le mec. Ça me dit rien, ça. Il est en chaussettes, miskin. Non. Je vais dire Hambourg. Et en collant, non, c'était Amelin. Dans quel conte un grand homme assassine-t-il ses femmes les unes après les autres? Alors, ça, par contre. Parce qu'elles ont pénétré. Celui-là, il est dur, il est vraiment dur. C'est pas Pantagruel, un truc comme ça? Non. Non. Moi, je l'avais parce que alors, là j'ai entendu 15 000 fois, c'est Barbe Bleue. Ah. Histoire horrible, hein, histoire abominable. Je la connaissais pas celle-là. On a, c'est quoi l'autre? Vas-y, le truc. Je l'ai entendu une seule fois cette histoire. C'est dommage, par contre, pour Le Petit Poucet et Petit Chaperon Rouge, c'est Charles Perrault. Mais oui, mais j'ai mis Grimm, les frères Grimm, et j'ai mis O. Genre de Charles Perrault. Tout ce qui était avant, hyper ok, tu fais la streak en plus, donc tu nous fais 3, 4, 5, 6, 6 plus 3, ce qui nous fait 9, ça suffira pas, je crois. Max, il a survolé aujourd'hui. Il a fait la double streak quand tu fais la double streak. La dernière, moi je l'aurais pas eu, je n'ai jamais vu, mais c'est connu aussi le nom, c'est Podane. Podane. On connaît deux noms, mais l'histoire, elle est. Voilà, c'est ça, lui, au personnage. Mais c'est dans Podane qu'elle fait ça, là. Podane, bah ouais, avec ses couilles. Fais-moi une robe couleur. J'avais oublié, non, mais Podane, c'est vrai. Podane, c'est vraiment à chier. Non, mais Podane. Pas c'est vrai. C'est fait graille.
Oh, bah, prix Nobel, c'est parti. Prix Nobel. Allez, mec. Oh, j'ai hâte. Hey. C'est bien fait parce qu'un prix un questionnaire prix Nobel pour un prix Nobel. Oh, bah, c'est gentil, hein. Oh, on va voir à la fin du quiz. Quand tu dis d'un mec c'est un prix Nobel, en général, c'est que tu. Oui. Ça veut dire l'inverse. Bah, j'ai compris. Merci. Comme dans le dîner de con, mais arrête, tu sais que je t'aime, merde. Allez, vas-y. C'est vrai que Barbe Pierre, c'est vrai, vraiment dur. Hein. Je sais pas parce qu'il y a dans le chat. Non, apparemment, il y en a qui disent que c'était facile, mais j'avoue que moi, je la connaissais pas. Moi, j'aurais eu 7. Moi, je t'ai dit, ma mère est con. Après, il y en a qui connaissent le truc. Il y en a qui connaissent Barbe Bleue, qui connaissent pas, je sais pas, Hansel et Gretel. Ouais, exactement. Genre, ça peut être. Moi, j'étais surpris sur le boucle d'or, tu m'as régalé. Ouais. Parce que boucle d'or, faut aller le chercher. Classique boucle d'or. Ouais, pas évident. On y va, 3, 2, 1, c'est parti. Quel président américain, premier président noir américain du pays, a reçu le prix Nobel de la paix en 2009? C'est une bonne réponse. Quel prix Nobel a reçu Albert Einstein pour l'explication de l'effet photoélectrique? C'est quoi le prix Nobel? Prix Nobel de la science? Physique. Physique? C'est, ouais. Dans quel pays est située la fondation Nobel? On va dire en Autriche. C'est une mauvaise réponse. Pour quelle invention est connu le fabricant d'armes Alfred Nobel à l'origine du concept de prix Nobel? La dynamite. C'est une bonne réponse. Quelle chercheuse française est la première femme à avoir reçu un prix Marie Nobel? Marie Curie. Oh, c'est une bonne réponse. Quelle institution humanitaire a été récompensée du prix Nobel de la paix à l'issue de la Seconde Guerre mondiale? Une institution. C'est la Française des Jeux. N'importe quoi. Quelle discipline non récompensée par les prix Nobel est récompensée par la médaille Fields ou encore le prix Abel? Redis le début de ta phrase. Quelle discipline? C'est la discipline qu'on cherche. Ouais. D'accord. Qui est non récompensée par les prix Nobel. Donc ça t'oublie. Ouais. Mais elle est récompensée par la médaille Fields ou encore le prix Abel. Ça c'est connu. Les comptables. Non, les mathématiques. Quel philosophe français a refusé son prix Nobel en 1964? Quelle personne a refusé? Ouais. Ouais. Oh, Patrick Timspeak. Jean-Paul. C'était pas lui. Jean-Paul Belmondo. Belmondo, ouais. Oh non. Qui est la fondatrice de la congrégation religieuse missionnaire de la charité, récompensée du prix Nobel de la paix en 79. C'est connu. Stéphanie de Monaco. Je te pose pas la dernière. Oh, non, si, avec plaisir. Si, la dernière, c'était quelle chercheuse française a obtenu le prix Nobel de chimie en 2020? Marie Curie. En plus, on avait parlé en 2020. Hey, avec les ciseaux ADN là. Ouais, c'était, oui, exactement. C'était Emmanuel Charpentier pour les recherches en génétique. Exactement. Cela dit, après, quand on y connaît rien, moi je rigole derrière mon écran. Je fais 4, je pense. Vraiment, je suis. Oh, peut-être 5. Mais je suis vraiment à chier. Albert Einstein, c'est prix Nobel de physique, évidemment. Le pays des prix Nobel. Bah, je sais pas, j'aurais dit l'Allemagne, mais. Pas évident, c'est la Suède. Ah, bah oui, Nobel, il est suédois, donc en même temps. Et évidemment. La Dynamite, c'était bon, Marie Curie, c'était bon. La Croix-Rouge. Mais bon, apparemment, je sais pas pourquoi j'ai fait. La Française des Jeux. Ouais, je me suis dit. Oh, bah, c'était dur. Après, la Française des Jeux en 45, gros. La Française des Jeux. Bah, attends, mais c'est quoi qui a aidé les pollus? L'amicale Française des Jeux. C'est qui a aidé les gueules cassées? Parce que moi j'ai fait le mélange avec ça. C'est en 14-18 les gueules cassées déjà. Ouais. Oui d'accord, mais c'est qui a aidé les gueules cassées? Parce que moi j'ai initié ça avec ça. Ouais. Je ne me rappelle plus. Je sais pas, mais. C'est la Française des Jeux ou c'est autre chose? Je sais pas. Alors le prix Abel, c'était pas pour les comptables, mais c'est pour les mathématiques. Qui a refusé en 64? C'était Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Et par contre, celle-là était facile beaucoup. Qui est la fondatrice de la congrégation religieuse? Tu l'as pas? Mère Tété. Dominique, Nique, s'en allait. Moi, j'oublie ici. C'est cool les quiz. Deux fois la même syllabe peut donner des situations incroyables. Et nous avons donc le score qui va s'afficher dans quelques instants, mais je pense que nous sommes d'accord que pour dire que Max Hildan a survolé cette session. Hugo, 9 points, Erwan, 11 points, Xari, 17. Et au final, ça joue 17, un petit point, chaud au cul. Ah, mais t'as fait la streak, là. Et ça, bah, la streak sur... S'il a vu la streak à Barbe Bleue, il s'envolait et c'était terminé. Le quiz Clébar qu'il a mis très, très bien. Au final. La streak aurait pu le... J'aurais pas fait non plus la deuxième streak sur Clébar. Sur égalité, en fait, sans regret, c'est Max qui a été très bon. Les humoristes qui ont calé. Merci, bien entendu, à David. Tout va bien. Le spectacle, tout va bien, on le rappelle. Merci à David pour l'écriture. Incroyable quand même le nombre de sujets qu'il a. Et comme il va loin dans les trucs et tout... Il doit quand même passer du temps. Bravo champion. En plus, ça se répète jamais. Il est non, mais fort. De temps en temps, ça. Alors, peut se des fois, on est frustré parce qu'on trouve ça trop dur, mais toujours, nous régale tous les mardis. Bravo David, merci. Et tous merci les soirs, à moi pour une page Wikipédia en entière. Incroyable. Obligé. Il bouffe tout ça. Apparemment, j'avais pas dit, mais Étienne. Ah. Tu peux y passer dans les mailles du filet, mais les consoles portables Sony. Pronostic. 1.
1 sur 10. Wow. Et c'est bien. Hallucinant. Après, il s'y connaît pas, donc après, c'est normal. Après, il a jamais non, mais il a même pas eu UMD. Ah non, il a rien eu. Lui, il avait l'AMD, je crois. Mais ça sent ça. Merci à tous. Avec modération. Ah, non, pas du tout. Il nous reste 4 minutes. Merci, Aziz, pour ce quiz. On enchaîne avec les vidéos de Xari. Jingle. Elles sont dans lundi, mec. Oui, c'est vrai qu'hier on n'a pas eu le time, je sais même plus pourquoi. Qu'on a fait les jeux de société qui se jouent à deux. Ah oui, on a parlé de ça. Oui, aujourd'hui on va avoir une petite prank fait par une personne. On ne s'attend pas à ce qu'elle fasse des pranks. Hein. C'est simplement un enfant bas âge, hein, tout simplement, qui va faire un prank malgré lui, on va dire. Ne vous inquiétez pas, ça se passe. On ne voit rien, putain. Mais ça, donc là, il y a sa daronne qui est en mode check, machin, sur son téléphone. Et du coup, elle ne voit pas. Oh non, la chaise. Oh non. Oh oui. Hop là. Le gamin qui a vraiment smooth, il a poussé la chaise juste pour la baiser. Bon, ça fait pas plaisir, mais. Les enfants sont formidables. Ça va. Les enfants sont formidables. Je sais pas si vous avez déjà pris ça. Si. Ça peut c'est faire très étonnant. Mal. Ça dépend ce qu'il y a derrière. Le coccyx en sueur. Surtout, ça fout la haine. Je pense que t'enlever la chaise quand tu veux t'asseoir et que tu tombes et tout, et que les gens rigolent, je pense que c'est un. T'as l'air tellement con. Tu souris parce que genre. Moi j'ai eu pire. J'ai eu le. T'es le mec qui te pousse un petit peu ou qui te fait reculer, et il y a un mec qui est derrière. Entre guillemets, accroupi, oui. Et tu tombes comme une énorme merde. Ça, c'est vraiment dangereux pour le coup. Oui, et je me rappelle que c'était en soirée, j'avais trop mal. C'est la soirée qui commence à 18h. À 18h15, on me fait cette blague. Pendant toute la soirée, j'étais comme ça. Parce que tu sais, ça te. Ils t'ont fait ça en haut d'une grue ou quoi Non, mais c'était en haut d'une pente. Et donc, du coup, j'ai pris, au lieu de prendre un angle comme ça, j'ai pris un angle comme ça. Ah oui, tu t'es pas tombé sur la moquette derrière. Non, mais c'est des enculés, hein, les mecs. Aussi, vraiment. Vas-y, tu peux mettre la suite. C'est l'origami master. À votre avis, bon, on va pas mettre toute la vidéo parce que c'est long, on va mettre. Oh, il roule putain de terre. Wow. Non, donc voilà, il commence. T'as changé les maquis. Pourquoi il allume le maquis là? Ah, il commence. Il commence avec ça et tu peux mettre la fin. C'est beau déjà. C'est beau. Oh non. Avec juste cette petite feuille. Et c'est quoi? Il la découpe jamais? Non, il fait que plier. Mais ça représente. Oh, comment ils font? C'est un truc de ouf quand même. C'est son métier. C'est quoi à la fin? C'est un samouraï. Le mec, hein, ça. Ah oui, d'accord, ok. Oh, il a pris un bus dans la gueule, le samouraï. Ouais, mais bon, c'est. Oh, gros, t'es sérieux ou quoi? Bah quoi? C'est pas Rodin. C'est pas le plus bel origami que j'ai vu, c'est tout. Bah c'est quand même pas mal. Hein. Pardon, mais. Je sais de quoi il parle, lui. C'est un chef-d'œuvre, le truc, ça vaut 1,5 million. Ça vaut aucun abus. Sur Etsy à 20 balles, 1,5 million. Ça vaut 1 million. C'est un produit exceptionnel, ce produit. C'est vendu 14 euros à Rungis, rien avec. À Webjack, t'as vendu 1,5 million. 2 millions, il faut prendre la com' quand même. On a. Bon, ben c'était notre dernière, salut, merci. Oh, on a fait bien pire. À la petite là, c'était juste un mec qui s'est dit, bah, je sais pas, je suis. Un kleps? Non, c'est de la merde, quand. Pas mal. C'est juste pas un mec qui s'amuse, gros. En vrai, bonne idée. Pas ton meilleur. C'est une genius, quoi. Attends, il y a un mec qui vient de faire un origami de génie. On dit ouais, bof. Et là, t'as un connard. Ça fait une bonne idée. Quand est-ce qu'on se tire vers le haut, les gars? Quand est-ce qu'on a envie d'aller voir un peu ce qui se passe là-haut? Il reste 30 secondes, Erwan. Quand est-ce qu'on fait ça? Je vous pose, vous avez une semaine pour réfléchir. On y parle mardi prochain. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On merde! On a 10 points sur le coup. La semaine prochaine, il lui faut 10 points, sinon on est mort. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon récap avec nous. Évidemment, rendez-vous demain, 18h30, si toutefois j'arrive à l'heure. Et dans quelques instants, c'est 301 vues juste après. Il y aura au sommaire ce soir. Bonne soirée. Dans quelques instants, c'est 301 vues. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit quoi? 301 vues. On est mardi, le stream challenge. C'est bon, non mais. Oh, tu m'as. Ouais, ouais, ouais.